FM Guadeloupe 96 101 et 103.2. Bonjour à tous, bienvenue dans l'édition spéciale ETV, EFM, RTL Guadeloupe. Nous sommes ravis de vous retrouver avec, comme chaque jour, nos invités pour commenter l'actualité liée à cette crise du coronavirus. Et ils seront nombreux, nos invités, aujourd'hui. Nous accueillons pour commencer Philippe Khalil, en sa qualité d'expert comptable. Bonjour. Bonjour, Monsieur Fendéry. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'évoquer les périls qui guettent nos entreprises, on aimerait d'abord vous entendre sur la gestion globale de cette affaire dans notre archipel après 6 semaines de confinement. D'accord. Oui, si vous me permettez, M. Fendéry, j'aurais aimé quand même envoyer un sentiment d'admiration vis-à-vis de tout le personnel soignant à l'hôpital, de tout le personnel médical. Je voudrais les saluer, je voudrais les remercier pour le travail qu'ils font. Et vraiment, j'ai une profonde admiration pour ces professionnels qui sont là avec beaucoup d'abnégation, qui affrontent le danger alors que nous sommes tranquillement confinés chez nous. Vraiment un grand merci. Donc je voulais vraiment leur adresser ce message. Ouais. Ça leur fera plaisir. C'est vrai que nos personnels soignants sont sur tous les fronts, ils sont en première ligne, avec ce manque criant de moyens, en dépit des efforts qui sont faits. Et c'est carrément une vocation. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment une vocation et c'est vraiment un acte de bravoure quelque part, compte tenu du contexte. Bien. Alors, Monsieur Vendéry, avant que vous me posiez des questions, je vous remercie de m'avoir invité. Et je suppose que vous m'avez invité pour que je vous donne mon avis. Évidemment. Bon, pas tellement sur la situation, parce que je pense qu'on a déjà tellement ressassé les événements qui se produisent actuellement. C'est vraiment une catastrophe qui nous tombe dessus, du jamais vu, personne n'aurait pu prévoir ça. Mmh. Aujourd'hui, le tourisme est à terre, l'aéronautique aussi, l'aviation, l'aéroport est fermé, donc quand on ne peut plus voyager, c'est la quatorzaine, quand on arrive, nous sommes confinés, tout est fermé, les centres-villes sont vides. C'est vraiment une catastrophe dans pratiquement tous les secteurs, bien sûr. Ouais. Il y a des secteurs qui s'en sortent et ils sont rares. Bah, mais ils sont quand même ils s'en sortent un peu mieux que les autres secteurs qui n'ont aujourd'hui plus rien. Ouais. Alors, pour vous donner mon avis sur ces mesures-là, je voudrais d'emblée dire que ce ne sont pas des critiques que je vais faire systématiquement, mais parce que on voit que l'État a été très réactif dès le démarrage, dès le 17 mars, et a proposé un certain nombre de mesures. Ouais. D'accord. Donc il y a vraiment de la bonne volonté, mais c'est une crise d'une telle importance que force est de constater que les outils qui ont été mis en place, en tout cas dans la pratique, la pratique quotidienne, ces outils-là ne répondent pas vraiment aux attentes des entrepreneurs qui sont aujourd'hui entrepreneurs qui sont abasourdis, qui ne savent plus où ils sont aujourd'hui. Et qui, devant ce cataclysme, et puis cette liste de mesures, parce qu'il y a énormément de mesures qui ont été mises en place, j'en ai dénombré à peu près 8 principales, les chefs d'entreprise aujourd'hui, pour discuter avec eux régulièrement, se disent, mais comment faire dans ce maquis de mesures? Quelles sont les mesures qui vont être applicable à mon entreprise? Ouais. D'accord. C'est l'interrogation. Et est-ce que ce sera applicable? Alors, pour avoir discuté avec eux, et personnellement, en tant que professionnel, moi je pense que ces mesures, on peut les qualifier, et ça sera un petit peu le cheminement de mon propos, on peut qualifier ces mesures-là d'incertaines. Ah oui. Ah oui, elles sont incertaines. J'expliquerai pourquoi.
elles sont complexes, et j'en profiterai sur la complexité pour envoyer un grand bravo à mes collègues professionnels comptables, aux experts comptables, mais aux comptables aussi, à toute la profession des chiffres, pour toute l'énergie qui est déployée depuis le début de la crise, de manière à essayer de sauver les entreprises qui nous restent. Alors, je disais que incertaine, ouais, complexe. Je dis aussi inadéquate. J'engage ma responsabilité personnelle. Hein, c'est bien, c'est courageux. Voilà. Donc, ces mesures sont complexes, incertaines, inadéquates et pas à la hauteur. Mm-hmm. C'est un peu le chapeau que je voudrais mettre à mon propos. Ouais. Quand je dis que... on va commencer par la complexité. Quand le gouvernement a décidé de modifier la réglementation sur l'allocation chômage, sur le chômage partiel, cette mesure a été accueillie avec vraiment beaucoup de satisfaction, et cette mesure va jouer son rôle, parce que il ne s'agit pas aujourd'hui, dans un tel contexte, de licencier le personnel. Mmh. Parce que nous avons besoin de ce personnel, ces gens qui sont formés, qui forment l'ossature de l'entreprise, qui permettent le développement de l'entreprise. C'est pas question. Parce qu'aujourd'hui, il est plus difficile de trouver du personnel connaissant les habitudes de travail, et ça coûte plus cher que d'aller les reformer. Donc c'est une excellente mesure. Sauf que, M. Fendéré, si on avait dit de faire complexe, on n'aurait pas pu faire plus complexe sur cette mesure, alors qu'on aurait pu faire des choses simples. Et mes confrères, mes collègues comptables, etc., se cassent la tête avec cette mesure. Déjà, parce qu'il y a eu un afflux massif de demandes, il a fallu obtenir des codes, d'accord ? Ensuite, je parle un peu technique. Non, mais... Mais les bulletins de paye. Vous êtes là pour ça ? Les bulletins de paye. Mmh. Il a fallu les modifier. D'accord. Et quand on modifie un bulletin de paye aujourd'hui, c'est pas comme quand j'ai commencé ma carrière, une modification à la main. Il faut modifier les logiciels. D'accord. Donc, et puis, il y a une notion de décade, une complexe. Je ne veux pas rentrer dans la technique, mais bon. Ouais. Donc, cette mesure très favorable se retrouve être une usine à gaz. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que beaucoup d'entreprises n'ont pas encore touché les indemnisations, parce qu'il faut demander, et j'en profite pour signaler ça à la population des chefs d'entreprise, c'est pas parce que vous avez fait la demande que vous êtes admis, mais il faut aussi faire une demande d'indemnisation. Mmh. Et à chaque fois, il va falloir rappeler le nombre d'heures, là aussi, un travail quand même de fourmi. D'accord ? On aurait pu faire plus simple, à mon avis. Oui. On a pu faire plus simple en demandant l'État, la DIEC par exemple, aurait pu payer directement l'État, plutôt que de faire ce système de remboursement. Oui. Et parce que surtout que ça pose un grave problème aux entreprises. Et c'est là où je dis que ces mesures-là, sont sous le sceau aussi d'une injustice extrêmement grave. Parce que les gens aujourd'hui qui n'ont pas de trésorerie, elles ne peuvent même pas avancer les salaires, d'accord, par rapport à celles qui en ont. Mmh. D'accord. Donc, des mesures qui sont complexes. On a vu la complexité, la notion de complexité. Voyons maintenant la notion d'incertitude. Quand ce PGE a été lancé, on s'est dit, bravo, 90% de garantie de l'État. Donc, il n'y aura pas de problème pour que les entreprises puissent obtenir ces prêts-là. D'accord ? Or, on s'aperçoit de quoi ? C'est que, sur le terrain, certaines entreprises obtiennent facilement ce prêt, ce PGE, en produisant un bilan 2018... Et une attestation de chiffre d'affaires. Oui, le PGE, on le rappelle, c'est le prêt garanti par l'État. Prêt garanti par l'État. Ouais. Mais pour bien d'autres, M. Fendéré, aujourd'hui, les banquiers nous réclament la liasse fiscale 2019. Oui. D'accord. Or, donc,
ce Covid nous a cueillis en plein vol. Donc tous les cabinets comptables, nous étions en train de faire les bilans. D'accord, l'administration fiscale nous donne des délais jusqu'au mois de juin. C'est très bien, mais les banques veulent les bilans pour certaines entreprises qui sont à l'équilibre. Et vous connaissez le tissu économique mieux que moi. Beaucoup d'entreprises sont tout juste à l'équilibre. Des entreprises aussi n'ont pas de capitaux propres positifs. Vous savez ce que c'est que les capitaux propres positifs ? C'est une notion financière qui permet de doser la santé d'une entreprise. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec des entreprises qui ne savent pas du tout, et j'en ai plein autour de moi. Si, c'est pour ça que je parle d'incertitude, si la réponse sera positive, si elle sera négative. Mais ce qui me révolte encore plus, et c'est cette, à la fois l'État, on peut louer ce comportement de l'État d'avoir réagi tout de suite, d'avoir mis en place des outils, mais ces outils n'étaient pas trop adaptés, et au fur et à mesure, il a fallu au moins 5 ou 6 arrêts pour adapter les outils. Ce qui fait que ça a aussi renforcé la complexité de ce dispositif. Mais à l'origine, je voudrais insister là-dessus, à l'origine, l'Ordre des experts comptables avait organisé une réunion avec les banquiers et avec la BPI. Et il nous avait été précisé, j'ai les enregistrements, que on ne se baserait pas sur les besoins des chefs d'entreprise, mais sur le chiffre d'affaires perdu pendant la période. D'accord ? Ce qui nous paraissait un dispositif extrêmement attrayant, simple, logique. Oui. Et que les banquiers exerceraient leur métier avec une espèce de vue d'avion. Or, qu'est-ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui? Que ce n'est plus une vision d'avion, c'est une vue à la loupe, une vision à la loupe des dossiers. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que cette mesure est incertaine. Elle est incertaine parce que beaucoup d'entreprises n'arriveront pas à l'obtenir. C'est extrêmement grave. Parce que quand vous perdez du chiffre d'affaires, quand vous n'avez plus de chiffre d'affaires, ça veut dire que vous n'avez plus de marge brute. Vous n'avez plus de marge brute. Et cette marge brute, elle sert à quoi? Et c'est là aussi, je pense qu'il y a eu des erreurs à un très haut niveau. Parce qu'on a considéré que les entreprises qui étaient fermées, et à ce moment-là, n'ayant pas de recettes, n'ayant pas de rentrée, n'auraient pas de sortie. Quelle erreur! Quelle erreur! Mais ça continue de sortir pendant la période des 2 mois. Les charges fixes sont là, ce sont des charges fixes. Et le dispositif a été, à mon avis, philosophiquement... On a parlé de report de charges. Basé sur ça. Alors, sur les reports de charges, ça, vous avez raison. Ça, c'était bien. C'était pas mal. On a reporté les charges. Mais on s'aperçoit aussi, M. Fédéric, désolé, ces reports de charges, il faut les transformer en exonération définitive. D'accord ? Ces reports de charges ont aidé, c'est sûr. Et ça, pour ça, reconnaissant, c'est pareil, le rééchelonnement des crédits bancaires, ça a bien fonctionné. Ça, on peut dire qu'il y a des mesures qui ont bien fonctionné. Ça a bien marché. Alors, quand je dis que ces mesures-là, mais on reviendra dessus tout à l'heure, je voudrais quand même apporter des précisions sur notamment un dispositif qui s'appelle le fonds de solidarité, c'est-à-dire les fameux 1500 euros que peuvent obtenir les chefs d'entreprise. Mais il y a tellement de conditions que à l'usage, on s'aperçoit que peu d'entreprises vont bénéficier de ce dispositif de 1500 euros. Et puis, c'est pas avec 1500 euros qu'on va, régler les problèmes.
Donc il y a une incidence. Alors il y a tout un dispositif qui est également abondé par la région, qui s'appelle l'aide à la faillite, qui prévoit 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros, des aides forfaitaires. Le deuxième volet du fonds de solidarité. Le deuxième volet du fonds de solidarité. Alors, deuxième volet, ça dit bien son nom, parce qu'il faut déjà satisfaire aux conditions du premier volet, d'accord, avant de pouvoir bénéficier du deuxième volet. Et cette disposition-là, je vous signale que les entreprises qui n'ont pas de salariés ne bénéficieront pas. Ah, sauf, c'est justement sauf ce que... s'il y a une modification, voilà. Une modification entre-temps. C'était l'objet de la motion qui a été adoptée par la région il y a deux jours, qui demandait justement l'accès aux entreprises sans salariés. Mais bon, rien ne dit que ce sera couronné de succès. D'accord. Ouais. Alors donc, hier, j'ai examiné justement les mesures qui sont proposées par la région. Et donc, il y a une mesure, je trouve que la région a raison de vouloir de penser aux très petites entreprises. Et il y a une mesure qui s'appelle, ça devait s'appeler le prêt d'urgence, mais ça s'appelle le fonds d'urgence, si ma mémoire est bonne. Et ce fonds d'urgence est applicable, et c'est ça que je trouve un peu dommage, uniquement aux entreprises individuelles, alors que dans l'économie que nous vivons aujourd'hui, nous incitons beaucoup d'entreprises individuelles à passer en EURL, de manière... parce que c'est une décision de bonne gestion. Donc, ça exclura toutes ces petites EURL qui existent, c'est un peu dommage. Alors, j'ai vu qu'ils avaient prévu l'éligibilité des EIRL, mais ces EURL n'existent quasiment pas. Dans l'économie, c'est une forme... une transformation de l'entreprise individuelle en société, ça n'a pas fonctionné, les gens font des EURL. Alors donc, je pense que là-dessus, il y aurait intérêt peut-être à revoir les choses. Alors cette mesure-là, elle s'applique à des entreprises qui font au maximum 120 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment pour les très petites entreprises. Et le prêt, parce que ça sera un prêt, ce sera un prêt jusqu'à de 1 000 à 15 000 euros. Voilà. Donc si ce dispositif fonctionne rapidement, ça peut être intéressant pour les toutes petites entreprises. Pourquoi pas? Je trouve ça pas mal. Sur les autres mesures de la région, en fait, c'est pas vraiment la région, c'est la région avec la BPI. Oui. C'est, on parle du prêt rebond. Mm-hmm. Alors ce prêt rebond... qui peut aller jusqu'à 300 000 euros, peut être très, très, très efficace, puisque c'est un prêt qui, je crois, un taux, pratiquement taux zéro. Zéro. Taux zéro, et qui peut s'étaler jusqu'à 7 ans. 7 ans avec un différé. Voilà. Mais j'ai cru voir que, sur la note de la région, je ne vais pas critiquer la région, qu'il fallait passer par son banquier. Mm-hmm. Donc. Là aussi, je demande à voir, parce que les banquiers font leur boulot, on ne peut pas leur jeter la pierre. Hein, et si on leur a dit prêt de garanti par l'État, BPI, ils sont quand même en risque pour 10%. Mais donc là aussi, comment ça sera appliqué, je n'en sais rien. Oui, donc vous êtes en train de nous dire là que le compte n'y est pas, qu'il aurait fallu faire davantage. Alors, moi je pense que je ne voudrais pas faire de reproches, la crise nous est tombée dessus avec une brutalité extrême. Ouais, on n'a pas vu venir. Le choc, on parle d'une crise qui va être... qu'on n'avait jamais vu depuis plus de deux siècles. Donc on a quelque chose. Je ne peux pas me positionner comme étant celui qui sait et qui dit et qui va critiquer. Moi, je dis simplement que aujourd'hui, on ne va pas passer à côté de la crise économique. C'est clair. La crise économique. Dès qu'on sortira du confinement, on va se payer une crise économique extrêmement grave. Ce qu'il nous faut, parce que sinon à quoi serviraient les économistes? Ce qu'il nous faut impérativement, c'est éviter la crise sociale. C'est éviter la crise sociale. Et donc, vous verrez que ces mesures ne suffisent pas et qu'il va falloir... Parce que ce sont des mesures qui sont des mesures d'urgence. Mais il va falloir aussi prévoir des mesures pour le déconfinement.
pour le redémarrage. Et c'est quoi les mesures du redémarrage? Vous en connaissez? Aujourd'hui, les entreprises qui doivent redémarrer, elles doivent réorganiser leur entreprise. Elles doivent... ça se fait un claquement de doigts. Elles doivent repenser leur entreprise. D'accord? Donc ces mesures-là de réorganisation, de redémarrage, on ne les connaît pas encore, moi je n'en vois pas. C'est pour ça que je me permets de dire que, au niveau de l'adéquation de toutes ces mesures, je suis un peu sceptique. Parce que, en fait, on propose des mesures pour soigner un mal que nous allons subir, qui consiste en une perte d'exploitation. Mm-hmm. C'est une perte sèche d'exploitation. Pendant, on n'a plus de chiffre d'affaires, les frais fixes continuent à tourner. Ouais. Il fallait que l'État ou les assureurs, désolé, et c'est pour ça que je dis qu'il y a une part d'injustice, parce qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent, les assureurs, d'accord ? Nous payons des cotisations sur les catastrophes naturelles. Or, aujourd'hui, on nous dit « mais la perte d'exploitation ne va pas s'appliquer ». Bon, moi, je ne suis pas juriste, c'est sûr, mais sans être un grand juriste, on peut comprendre qu'il n'y a pas d'obligation juridique de leur part. Mais il y a une obligation de fait, à mon avis. Et ce matin, j'ai entendu un assureur rebelle du Crédit Mutuel, qui a décidé d'indemniser ses clients. Donc, c'est qu'il y a bien une possibilité de le faire. Donc, je crois que là, et d'ailleurs, on ne peut pas le reprocher au gouvernement, parce que j'ai lu à plusieurs reprises que M. Le Maire avait demandé aux assureurs d'intervenir. Mais il y a sûrement un tel lobby des assureurs que ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer un redémarrage sans une compensation, une compensation du préjudice que représente cette perte d'exploitation. Et on propose quoi aujourd'hui? Des prêts qu'il va falloir rembourser. Et c'est même pas sûr qu'on nous prête cet argent-là. Voilà la situation. Bien, nous accueillons également sur les antennes de TV et de FM RTL Guadeloupe Harry Anslade, que nous connaissons tous ici en Guadeloupe, en qualité de chef d'entreprise. Merci de nous faire l'amitié d'être venu jusqu'à nous, Harry Anslade. Ben, bonjour. Bonjour, et oui, c'est un plaisir de venir. Bonjour, ça va. C'est tout un plaisir. Ça va, un plaisir de t'écouter. Oui. Parce que ça va truc pas mal. Vous allez dans le même sens. Non, oui, c'est bon. Ouais, oui, mais je vais dans le même sens. Mais c'est vrai que je vais dans le même sens, mais je suis un peu plus pessimiste que lui sur le long terme. Il l'a dit, mais je pense que la suite, pour l'instant, le sujet des 2-3 mois d'inactivité ou de confinement. Bon, je dis c'est un mal ponctuel qu'on pourrait penser comme ça à passer. Mais j'ai le sentiment que la suite va être pire que le mal, parce que on a un phénomène qui est important. Qu'est-ce qui a créé ce problème? C'est un problème de santé. Mais tant qu'on ne l'a pas résolu, le problème continue et s'amplifie. Parce que quand j'écoute les médecins, tout le corps médical, mais c'est affolant. Parce que pour l'instant, on ne maîtrise rien, sauf qu'on dit que en supposant que ce virus, quand on l'a eu, on est immunisé. Bon. Mais pour l'instant, on dit qu'il y a moins de 10%. Il faudrait atteindre 60%. Ouais. Donc, pour qu'on considère qu'on va vers une situation qui va être acceptable, on en est loin. En même temps, on ne veut pas que tout le monde soit contaminé brutalement, parce que là, c'est une catastrophe sanitaire et on n'a pas les moyens non plus d'assumer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, on va dans une situation totalement incertaine, mais qui pour moi, il y a tout un tas d'activités économiques qui vont sombrer tout de suite. Mm-hmm. Comment vous allez dire à un restaurateur de fonctionner? Déjà pour équilibrer ses comptes, en essayant d'optimiser le mètre carré qu'il paye en location, pour l'optimiser, il faut qu'il ait un remplissage de pratiquement 90%. Vous allez vider de 50% pour des raisons de sécurité? Mais il ne peut pas tenir. Mm-hmm. Il ne pourra pas tenir. Il y a tout un tas d'activités. Mais tout à fait. Donc il y a une série d'activités de ce type qui, à mon avis, ne vont pas tenir du tout. Et tout est lié. Parce que c'est une chaîne, tout ça. Hein. Oui. Il n'y a plus de restaurateurs, il n'y a plus. Mais, c'est ça le danger. Vous savez, pendant. Je continue à descendre à Jarry, être en activité. Le midi, je monte au moule pour déjeuner, je redescends. Bon, mais il y a tout un tas de problèmes. Je veux dire, c'est pas simple. Et
il est évident que l'organisation... Vous savez, au début, il y a une chose qui m'avait surpris. Quand on avait annoncé le jour où le président de la République a annoncé les premières mesures, j'avais été un peu surpris par rapport au BTP. Parce que bon, on ne savait pas trop, rien n'avait été dit clairement. Et puis bon, quelques 24 heures ou 48 heures après, on a appris que le BTP arrête ses activités. Mmh. Bon. J'ai tout de suite après entendu le ministre dire, mais dans BTP, il y a TP. TP, c'est travaux publics, on ne peut pas arrêter. Donc il fallait que le BTP fonctionne. Et finalement, en Guadeloupe, on a arrêté là, pratiquement les chantiers, parce qu'on a suivi le système national à ce niveau-là. Ça a été moins identique en Martinique et en Guyane, parce que la Guadeloupe est affiliée à la Fédération nationale du BTP en France, et pas la Martinique, pas la Guyane. Donc, ici, bon, le fait que bon, c'est, ça fonctionne en partenariat et en accord rapidement, donc la Guadeloupe s'est alignée un peu sous le principe. Bon. Alors, bon, c'est évident jusqu'à présent, parce que là, maintenant, le BTP repart, parce que le BTP a compris que pendant un moment, ils ont été optimistes, mais je pense que là, ils commencent à se dire, ça va être lourd. Ça va être très lourd. Une mobilisation de chantier, ça coûte cher. Il y a des chantiers qu'on a arrêtés, mais pour l'instant, il n'y a aucune couverture juridique. Mais oui, parce qu'il n'y a aucun document officiel qui dit à l'entreprise d'arrêter. Les entreprises, en même temps, si on leur donne une mobilisation officielle, ils disent, mais de fois, je vous paye notre immobilisation de matériel. Mais quand personne n'a donné d'ordre. Alors, il n'y a pas d'ordre de service. On a arrêté des activités, mais il n'y a pas d'ordre de service. Il y a un flou. Et les délais, tout ça. Donc, il y a un flou. Et on fonctionne sur un flou. Donc, maintenant, le BTP dit, on reprend. Mais il y a des activités qu'on peut organiser. Il y en a d'autres, je le sens moins. Moi, je ne sais pas, j'ai beaucoup fait de chantier. Surtout, j'ai bien aimé la vie de chantier. Donc, je m'ébête sur le terrain avec mes équipes, des fois. Et je vois difficilement... dans certains cas de figure, dans le gros œuvre ou des choses comme ça, qu'on puisse réellement dire on mettra les salariés à l'abri. Je vois difficilement ça. Et il y a un point encore qui, pour moi, reste ouvert, on ne sait pas où on va, c'est des problèmes de responsabilité. Parce qu'on parle de responsabilité, mais messieurs, on a constaté pendant 2 mois qu'il y a des morts, qu'il y a des résultats qui peuvent aller, il y a des conséquences qui peuvent aller loin. Si les gens commencent à attaquer pour le personnel, on se retourne contre des chefs d'entreprise parce qu'ils ont fait travail. Ça devient très, très problématique. Ça, c'est un aspect sous lequel, oui, voilà, quand il n'y a pas de législation. Ça veut dire que chaque chef d'entreprise a pris un risque. Il prend un risque en faisant travailler son personnel. Il prend un risque parce qu'il ne peut pas garantir à 100% qu'il ne peut pas y avoir de problème. Or, pour l'instant, on n'est pas couvert là-dessus. Hein. Et juridiquement, il n'y a rien. Il n'y a pas de jurisprudence là-dessus. On ne sait pas où on va. Hein. Ah ouais. On ne sait pas où on va pour l'instant. Donc, c'est vrai que donc, tous ces éléments-là, quand je les regarde, tous ces éléments, je me dis, oh non, non, pour l'instant, on est dans le mur. Hein. Mm-hmm. On est totalement dans le mur. C'est pas pour, faire du catastrophisme. C'est une réalité. Et c'est vrai que, bon, il y a eu un certain nombre de mesures. Vous savez, il y a un petit élément qui m'a un petit peu interpellé aussi dans les mesures. Ces jours-ci, on a dit, ne payez pas vos loyers. Quand vous êtes locataire d'État, quand l'État dit ne pas payer le loyer, je veux bien, mais quand l'État dit ne pas payer le loyer, ne pas payer au privé, c'est un abus de pouvoir énorme. Hein. Comment peut-on dire à un locataire, vous ne payez pas le loyer à un bailleur privé? Ça veut dire, dans ce cas-là, vous compensez le bailleur privé. Il y a un problème là-dessus. Là non plus, c'est pas clair. Là, c'est pas clair, il y a un problème sérieux. Et on lançait... À la rigueur, je trouve que... Il y a des moments, dès le début de cette affaire, mes premières, quand j'ai entendu les premiers commentaires, j'ai dit, c'est trop dirigiste. Quand on prend des décisions fermes, on assume. Sinon, on laisse les gens négocier. Par exemple, ça, c'est une affaire qui se négocie entre bailleur et locataire. Bien sûr. Moi, quelqu'un qui est mon locataire, je sais bien qu'il en devient. Enfin, je veux dire, c'est une négociation. Bon, ça se discute. Mais sinon, quand on veut imposer une décision, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, on prend la responsabilité financière de cette décision. Mm-hmm. Et c'est là où je reproche dès le début, et tu disais ça tout à l'heure, Philippe, oui, tu l'as pas abordé. Dès le début, il y a eu des moments où on a des voulu aller. Et oui, des hésitations. Ouais. Non, et je pense que c'est. Et oui. D'ailleurs, cette histoire, vous voyez, il y a eu un rattrapage par la suite en disant que ça s'appliquait uniquement aux locataires qui avaient bénéficié du fonds de solidarité. Ouais, mais... Donc, mais là, une fois qu'on a lancé ça, les gens, ça pose de sérieux problèmes. Mais oui. Parce que les bailleurs sont quand même aussi des acteurs économiques. Des acteurs économiques. Et les bailleurs
d'ailleurs, on s'aperçoit qu'ils sont exclus de toutes les mesures. Messieurs, arrivant cela, les entreprises en dépit des aides auront du mal à sortir indemnes de cette crise. C'est sûr. Bon, de toute façon, il est fait certain, nous allons assister à une sorte de destruction d'une bonne partie de notre tissu économique, ça c'est clair. Surtout qu'on est beaucoup TPE ici, il ne faut pas oublier ça. Ah non, à mon avis, ça va être très catastrophique à ce niveau-là. Parce que c'est sûr que la faiblesse, on l'a toujours dit, ça fait longtemps, ça fait des années qu'on n'arrête pas de le répéter. Fonds roulement. Capitaux propres, il n'y a pas. Il n'y a pas suffisamment de capitaux propres dans les entreprises. Ouais. Donc, pouvoir assumer autant de dégâts sous des fonds propres, c'est pas possible. Il n'y a pas de fonds propres pour ça. Donc ça veut dire que c'est le dépôt. Les quelques avantages ne suffisent pas. Parce que, comme disait justement, excuse-moi de te couper, mais est-ce que ce ne serait pas intéressant qu'il y ait, parce que vu l'ampleur de la catastrophe, est-ce que, et comme il n'y a pas d'indemnisation de la perte qui va obérer les capitaux propres, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un emprunt massif au niveau de l'État, au niveau des collectivités, puisqu'on a une collectivité qui a une capacité d'autofinancement. D'accord, elle a une capacité d'autofinancement, elle a un ratio d'endettement qui est relativement bas. On pourrait très bien imaginer des mesures fortes de recapitalisation de certaines entreprises pour ne pas qu'il y ait ce trou béant dans notre tissu économique qu'il va falloir un jour ou l'autre reconstruire, si on arrive à reconstruire. Donc il faut absolument, c'est pour cela que je dis, il faut absolument éviter cette crise sociale cette vague de dépôt de bilan par soit une indemnisation, mais soit par une capitalisation de certaines sociétés. C'est une mesure qu'on n'aime pas, mais nous vivons une crise exceptionnelle là, qui est totalement inédite. Tout à fait. D'accord. Or, les collectivités aujourd'hui empruntent plus facilement que les entreprises. En plus, elles empruntent à des taux négatifs en ce moment. J'ai entendu dans la plénière de la région que le président Lurel disait « Oui, mais vous avez emprunté à trop cher, à 1,5 et tout ça. » 1,5. Et donc, ils vont peut-être avoir 0,50, voire même 0. Donc, moi, je trouve que on n'aime pas ça. Je sais que il y a des permanents dans la région qui ont une certaine orthodoxie financière. Mais je pense que l'orthodoxie, en ce moment, il va falloir s'asseoir dessus. On s'assoit dessus. Parce que là, il s'agit de vies humaines. C'est vrai que la crise du Covid, ce sont des vies humaines, mais les entreprises aussi. On a vu, lors de périodes de crise, des gens se suicider dans l'histoire économique du monde. D'accord ? Donc je crois que là, il faut prendre les choses au sérieux. Oser l'endettement. Oui, mais tu sais, alors, je vais rapidement faire un rappel. Quand tu dis ça, on ne va pas chercher loin. 2008. Mais justement, 2008, cette crise financière. Pendant un certain temps, d'ailleurs, le ministre du Trésor américain a pendant longtemps résisté, parce que justement, par orthodoxie financière. Ouais. Sauf que quand il a compris que l'Amérique allait se trouver à genoux et que ça allait plomber toute l'économie, il a dû lâcher. En Allemagne, il ne lâche pas. Voilà, et j'ai été obligé de le faire. Et ça s'est relancé très, très, très rapidement. D'ailleurs, je considère que tout s'est rattrapé. Il y a exactement les banques qui ont été liquidées, mais on a vu remonter même les patrons des banques sont retombés sur leur pied très rapidement. Et c'est vrai que tu as raison sur un principe. Parce qu'il faut bien comprendre, il y a une chose qui est vraie, c'est que tous ces dégâts-là, si l'État veut se renflouer, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est nous qui en renflouons l'État. C'est l'économie, c'est la dynamique économique qui fait fonctionner. D'ailleurs, l'État continue à encaisser sa TVA Mais c'est ça qui fait fonctionner. Il n'y a aucune mesure sur la TVA. Les CA12. Donc il est évident que quand on dit crise économique, on pense toujours que c'est le patronat. Non, c'est le système complet. C'est l'État en premier qui est victime. Parce que cette crise économique, si l'économie tourne pas, l'État ne touche rien. Et nos collectivités aussi. Nos collectivités aussi. Parce que tu crois que l'octroi de mer, ça va pas se péter la gueule. Mais tout le système qui fonctionne sous cette base-là. Mais la taxe sur les carburants. 50% quand tu prends la totale. Sur les carburants. C'est plus de 50%. C'est ça qui fait fonctionner. Donc ça ne marchera pas. Donc en définitive, et c'est là où je te rejoins, face à une situation, et vu son ampleur, à mon avis, et c'est la seule solution. Le pire, c'est que moi, je pense que c'est la seule. On y arrive. Ce que tu as dit là, c'est la seule solution. C'est qu'il faut, à ce moment-là,
qu'il y ait un emprunt de la collectivité, ça, parce que nous, là, on a payé de façon dans le temps, mais qu'il y ait un emprunt de la collectivité et pouvoir lancer la machine au même niveau, si on veut maintenir la machine à ce niveau-là. Parce que si on accepte, on peut, les liquidations se font un peu naturellement, je dirais, chaque mois, il y a quelques entreprises qui sont liquidées, d'autres qui naissent à ce moment-là, etc. Le système s'équilibre. Dans ce cadre-là, toute cette faillite d'entreprise ne sera pas rattrapable en un tout. Non, non, c'est pas en un an, deux ans, on va recréer cette dynamique économique. Donc, et on va perdre énormément de compétences. Le pays va se paupériser, précariser. Complètement. C'est sûr. Alors qu'on a actuellement un ratio de désendettement qui est inférieur à 3 ou 4, enfin, je n'ai pas le chiffre exact, au niveau de la région. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la région n'a pas beaucoup d'emprunts et sur 3 ans, avec sa capacité financière, rembourse. Donc, on a cette possibilité. Bien sûr, aujourd'hui, on peut faire. Ça, c'est aujourd'hui, on peut faire, et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on y pense sérieusement, parce que pour éviter ça, on part dans une autre solution qui risque d'avoir des hécatombes au niveau sanitaire. Il ne faut pas faire l'erreur, là. Parce que c'est important. Parce que on veut relancer l'économie. Moi, je suis beau, mais je dis qu'il faut que chacun ait la liberté de regarder son entreprise objectivement et regarder ce qu'il peut faire. Parce qu'à pousser les gens, il ne faut pas pousser les gens à travailler dans n'importe quelle condition. Il ne faut pas croire qu'on a fait quoi, le chef d'entreprise a créé les conditions pour que le personne soit en sécurité. C'est la blague cette histoire. Il y a des choses qui sont faisables, mais à un certain point, ça ne marche pas. Ça. Donc, je pense qu'à ce niveau-là. Surtout dans le bâtiment, où il y a un taux d'accident du travail qui est élevé. C'est là où c'est le plus risqué. Oui, c'est très dangereux. On ne peut pas imposer à des chefs d'entreprise de faire fonctionner l'entreprise obligatoirement. Chacun, en fonction de ce qu'il peut faire, de son programme, il peut effectivement trouver des solutions pour faire travailler 20, 30, 40% du personnel dans certains cas de chantier, mais dans d'autres cas, c'est même pas la peine d'essayer. Donc, ça, il faut savoir qu'il n'y a pas le choix. À mon avis, le coût économique va être énorme, et je pense que la seule solution pour s'en sortir, c'est qu'il faut programmer un emploi général, un plan, c'est presque un plan Marshall, général, et puis voilà, et relancer l'économie. Qui peut le faire aujourd'hui? Région, département, cap excellence, a priori. Voilà, je pense qu'il faudrait que les trois... Il y a une partie de l'État, pour pas oublier. Oui, l'État. Et on a ça dans nos impôts, qui sont des impôts d'État. Hein. Donc c'est l'État. Localement. Voilà. Il y a région, département, c'est vrai, mais il y a l'État. L'État a une part non négligeable aussi, parce que c'est quand même. Bien sûr. Une partie des impôts sont directement à l'État. Mais ça doit être. Donc ça veut dire quoi, ça? Et s'il faut ça va se faire autour d'une table. Combien? Ça doit. Idéalement. Ça, c'est ça. Ça doit se faire autour d'une table, et à ce moment-là, il faut que les. Mais c'est pas un montant illimité. Il faut tenir compte de la capacité d'autofinancement. Oui, ceci étant bon, c'est vrai aussi qu'il faut voir. Je crois que si on va à l'échelle. Mais ce discours n'a pas l'air d'être entendu. Ce discours là, il n'a pas l'air d'être entendu du tout. On n'en prend pas du tout le chemin. C'est ça qui est inquiétant. Ah mais non. À la lecture des mesures publiées hier, on n'a pas ces. On n'a pas ça du tout. Nous avons en ligne Pierre-Yves Chicot, maître Pierre-Yves Chicot, avocat, maître de conférence. Vous me corrigez, en droit public, c'est ça? Oui, oui. Merci Pierre-Yves Chicot d'être avec nous et d'avoir accepté donc de répondre à nos questions dans le cadre de cette grande édition. J'imagine que vous avez un petit peu suivi les propos tenus par Harry Ancelade, de Philippe Khalil, qui sont en plateau avec nous. J'ai envie de vous poser cette question, Pierre-Yves Chicot. Quid du courage politique en Guadeloupe à la lumière de la gestion de cette crise? Grande question. Question peut-être un peu malicieuse. Le courage politique, je ne sais pas si on peut mesurer ou ne pas mesurer le courage politique. En tout cas, au regard du contexte, il s'agit de se demander quelles sont les prérogatives qui sont conférées au pouvoir local depuis 1982, date de la consécration de la décentralisation, qui consiste pour l'État à transférer des compétences graduellement aux collectivités territoriales. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je suis très attaché à un concept que j'ai inventé, sur lequel je continue à travailler, que j'appelle la décentralisation autonomique. Et la question qui est posée consiste à se demander, est-ce que la décentralisation en France est de nature à conférer de l'autonomie aux assemblées délibérantes et à donner de l'autonomie aux pouvoirs locaux? Au regard des investigations effectuées, on peut répondre par l'affirmative à cette question.
qu'aujourd'hui, plus aucune politique publique ne ressort exclusivement de l'État. Donc on peut considérer que l'autonomie, même si le mot continue à être un mot grossier dans le langage courant de la société française ou dans le cercle des publicistes qui considèrent que la France n'est pas encore devenue l'Allemagne ou les États-Unis, on peut considérer que l'autonomie est consacrée, d'autant plus que la France a ratifié ce qu'on appelle la charte d'autonomie locale du Conseil de l'Europe et qui dit que les collectivités territoriales doivent gérer de manière majoritaire les affaires qui ressortent de la société dont ces collectivités ont la charge. Et la troisième, le troisième élément de réponse, c'est comment le pouvoir politique, comment le pouvoir local va s'approprier ces compétences qui lui sont dévolues. Et pour répondre à cette question-là, on ne peut pas se contenter simplement de faire une analyse politique, de faire une analyse juridique, mais il faut aussi aller dans la psychologie de ceux qui sont détenteurs du pouvoir, soit ils ne le savent pas, ou soit ils font mine de ne pas le savoir pour deux raisons, soit parce qu'ils n'ont pas envie de se fatiguer, ou encore la culture de la dépendance que la France a instillée pendant des siècles aux élus locaux, et pas simplement dans les Outre-mer, n'est pas encore complètement passée de mode dans leur tête. Et donc, quatrième élément, pour répondre de façon complète à votre question, c'est que sur la question, sur la thématique de la santé publique, sur la politique publique de santé publique, je n'ai pas du tout le sentiment que la classe politique locale s'est rendue compte que la santé publique, c'est une compétence à part entière des collectivités territoriales, comme le développement économique, comme l'alimentation en eau potable, comme la construction ou la réfection des routes, comme la construction ou l'entretien des établissements scolaires. Oui, c'est assez affolant ce que vous dites là. Donc, il faudrait libérer, briser quelques chaînes encore. Oui, tout à fait. Et comme je vous l'indiquais, je l'explique parce que c'est à la fois avec le recul aujourd'hui et l'expérience que j'ai pu acquérir, on ne peut plus répondre à ces questions-là simplement en convoquant le droit ou la politique. Il faut aussi convoquer la psychologie et des fois la psychologie sociale et la manière dont le pouvoir central a articulé ses rapports avec ce que certains ont appelé le pouvoir périphérique, ce qui est un gros mot. C'est-à-dire que pendant longtemps en France, on a considéré qu'une collectivité municipale, c'était une périphérie, qu'un département, c'était une périphérie, qu'une région, c'était une périphérie. Et je vais vous donner un exemple qui est très intéressant et qui m'a marqué encore récemment. C'est le fait que le pouvoir central en France, la France, le président de la République en exercice, le gouvernement en exercice, ont pensé pendant très longtemps qu'ils pouvaient résoudre cette crise-là en se passant, encore une fois, des corps intermédiaires et des collectivités territoriales. Et ce n'est que lors de la dernière conférence de presse du Premier ministre adjoint de son ministre de la Santé qu'il a parlé, ça c'est certainement passé inaperçu auprès de beaucoup, qu'il a parlé des puissances publiques. Et il a même commis un lapsus, il a dit la puissance publique dans un premier temps, et dans un deuxième temps, il a dit les puissances publiques. Et donc ça veut dire qu'on a du mal à intégrer en France qu'il y a à la fois la puissance publique étatique et la puissance publique locale. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on fait la comparaison, il y a eu un article très intéressant de la part d'une Française qui habite en Allemagne, qui montrait comment le phénomène de la décentralisation, le fait que le pouvoir fédéral allemand se soit appuyé sur les Länder, c'est-à-dire le pouvoir local, ça a permis de résoudre, en tout cas, de résoudre cette crise sanitaire beaucoup plus efficacement qu'en France. Et on pourrait prendre aussi l'exemple des États-Unis, où vous voyez que le président des États-Unis, qui est présenté comme l'un des hommes les plus puissants au monde, se montre friable, fragile, face aux gouverneurs des États fédérés, qui dit, nous, on veut continuer le confinement pour assurer la santé de nos concitoyens, et un président des États-Unis qui dit, moi, je veux libérer l'économie. Et donc, vous voyez comment, lorsque le pouvoir local est fort, l'efficacité des politiques publiques s'en ressent. Vous restez avec nous, Pierre-Yves Chicot. On va remercier Philippe Khalil, qui est également avec nous en qualité d'expert comptable depuis le début de cette émission. Philippe Khalil, scepticisme, pessimisme Disons que
Non, c'est une appréciation des mesures qui, où j'estime que, qui ne sont pas adaptées à la situation. Il aurait fallu des mesures beaucoup plus fortes, plus énergiques. Mais ouais, encore une fois, la bonne volonté est là. Simplement, les outils qui ont été choisis ne sont pas adaptés véritablement à cette situation-là. Je voudrais juste vous parler d'une mesure qui est propre aux experts comptables. Mm-hmm. Je crois que vous en aviez parlé avec M. Céleste, mais je n'ai pas bien entendu sa réponse. C'est que, donc, il y a actuellement à l'étude avec le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables un pré-rebond, le full digital. Puisque ça serait un partenariat avec la BPI, et la BPI s'appuierait sur des tiers de confiance, les experts comptables, pour mettre en place ce prêt. C'est un prêt qui pourrait être vraiment salutaire pour les entreprises, et donc j'espère que ça... Mais je n'ai pas observé... C'est pas d'actualité. Parce qu'il m'a semblé que M. Céleste disait que c'était pour les experts comptables. C'est pas du tout pour les experts comptables, c'est un prêt qui est à destination de toutes les entreprises. Et c'est un prêt qui peut aller extrêmement vite. Très bien. Voilà. Merci en tout cas à vous d'être venu jusqu'à nous, Philippe Khalil. Merci, merci. Je reviens vers vous, Pierre-Yves Chicot. Oui, donc vous parliez d'impuissance publique. Comment faire justement pour que cette puissance publique s'exerce à plein en Guadeloupe, au niveau de nos collectivités? Ben, là aussi, hein, c'est la réponse, elle est immatérielle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience de la part de ces élus locaux, que ce soit ceux qui sont anciens, que ce soit ceux qui arrivent. Ce que j'observe, c'est que vous avez une nouvelle génération de candidats aux élections municipales. Et on a vu quelques-uns émerger qui sont en train d'injecter dans le discours politique quelque chose de nouveau. Il y en a eu à Basse-Terre, il y en a eu à Pointe-à-Pitre. Je n'ai pas forcément envie de nommer des noms. J'aurai l'occasion de le redire. Vous avez eu une candidate à Basse-Terre, vous avez eu un candidat à Vieux-Habitants, un candidat à Pointe-à-Pitre qui sont venus avec un discours beaucoup plus rafraîchissant, beaucoup plus audacieux, qui sont plus en phase avec le monde moderne dans lequel nous vivons, où l'idée, c'est la montée en puissance de la responsabilité individuelle. Et cette responsabilité individuelle, ce n'est pas celle qu'on connaît qui caractérise le profil du citoyen électeur en Guadeloupe qui, quand on va venir vers lui faire du porte-à-porte, il va se poser la question « qu'a-t-il fait ben moins ?» Mais c'est l'idée du citoyen électeur qui monte en responsabilité individuelle et qui va vouloir apporter sa contribution sociale, non pas simplement pour lui et pour sa famille, mais pour l'ensemble de la société dans laquelle il vit. Et j'observe une inflexion dans la société guadeloupéenne qui gêne d'ailleurs la classe politique guadeloupéenne. C'est l'idée selon laquelle des individus qui ne seraient pas élus n'auraient pas la légitimité pour s'exprimer dans l'espace public. Et là, je pense que en 2020, c'est terminé. Vous avez de plus en plus de personnes qui ne sont pas élues, qui ne sont prétendument loin par le suffrage universel, qui s'invitent dans le débat public, qui torsent la classe politique, qui l'interpellent. On peut parler de Sentinelle Guadeloupe d'Éric Coriolan, on peut parler de Moon Guadeloupe qui s'exprime, je l'ai déjà indiqué, parfois de façon tapageuse. Vous avez un syndicat comme l'UGTG qui ne se contente pas simplement de défendre les intérêts matériels et moraux de ses adhérents, mais qui va beaucoup plus loin dans son action sociale, qui n'est plus circonscrit à l'action syndicale. Et je pense que ce à quoi on va assister de plus en plus, en attendant la prise de conscience qu'on peut espérer pour que les collectivités territoriales s'emparent pleinement de ce que j'appelle la décentralisation autonomique, c'est la montée en puissance de cette société civile guadeloupéenne qui va s'exprimer dans l'espace public sans pour autant être candidat aux élections. Très bien, merci en tout cas, merci à vous Pierre Huchicot pour cette contribution de grande qualité. Merci à vous. Merci beaucoup. Parfait. Georges Calixte nous a rejoint en studio. Georges Calixte, politologue, merci d'être venu jusqu'à nous. Nous continuons avec également avec donc Harry Anslade, ingénieur, chef d'entreprise qui
qui est aussi notre grand témoin aujourd'hui dans cette édition spéciale. Georges Calixte, vous avez entendu un instant Pierre-Yves Chicot. C'est vrai que se pose avec acuité ce problème de responsabilité du pouvoir politique local. Est-ce que cette crise pourrait être le déclic ? Cette crise aura de toute façon deux conséquences. D'abord, sur le plan économique, puisqu'on voit bien qu'au départ, les gouvernants ont fait le choix de privilégier la santé au détriment de l'économie, d'où le confinement, mais que très rapidement, les données économiques sont telles que le point de non-retour, ce serait le 11 mai. Ça veut donc dire qu'on constate qu'à partir du 11 mai, malgré un certain nombre de recommandations défavorables, il y aura un début de reprise de la vie en relation avec justement le fait que l'économique reprend la main sur le sanitaire. Maintenant, s'agissant de la responsabilité locale, les corps intermédiaires actuellement dans la société française ont un rôle très particulier. Et je vais vous donner l'exemple des Gilets jaunes. Lorsque ce mouvement a eu lieu, ils ont rejeté toute forme de corps intermédiaire. Ils ont rejeté les syndicats, ils ont rejeté les partis. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un appauvrissement de la classe laborieuse, donc des travailleurs pauvres, mais il y a eu également un appauvrissement de la base inférieure de la pyramide de la classe moyenne. Ça veut donc dire que la pauvreté génère, en particulier quand elle touche la classe moyenne, non pas une volonté de déléguer aux corps intermédiaires, mais au contraire, une volonté de pouvoir se manifester au-delà même des corps intermédiaires. Et ça va plus loin, puisque, dernier élément, n'oublions pas que la pauvreté va incontestablement arriver et que sur le plan politique, cette pauvreté va générer une émergence encore plus solide des extrêmes. Donc on passera de la base aux extrêmes. Et je partage, mais de manière très nuancée, l'approche de Pierre-Yves. Je pense que la classe intermédiaire, en tout cas les corps intermédiaires, dans les mois à venir, sera plus marginalisée qu'elle ne sera effectivement sollicitée directement. Très bien, vous restez avec nous. Nous aurons beaucoup de choses à commenter d'ici quelques instants. Nous avons l'honneur d'être en ligne à présent avec l'écrivain, économiste et ancien haut fonctionnaire Jacques Attali. Bonjour. Bonjour monsieur. On rappelle que vous êtes polytechnicien, énarque et que vous avez été conseiller spécial du président de la République François Mitterrand pendant 10 ans. Vraiment, un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Cette crise, Jacques Attali, cette crise que nous vivons, Jacques Attali, c'est le retour de bâton de la mondialisation ? Non, ça n'a rien à voir. Ça, au contraire. Ce virus s'est développé, semble-t-il, dans un marché à Wuhan. Ce n'est pas qu'il y avait trop de mondialisation, c'est qu'il n'y en avait pas assez. Parce que s'il y avait la mondialisation la plus correcte, il y aurait la vraie mondialisation, c'est une mondialisation de la règle de droit. Et si la règle de droit de l'hygiène avait été la même à Wuhan qu'à Rungis, à Paris ou dans les autres, on n'en serait pas là. En fait, il y a une dimension liée à ce que nous n'avons pas assez maintenu la souveraineté, l'autonomie de l'Europe, de l'Union européenne, y compris nos territoires, où qu'ils soient, pour produire les éléments de ce que j'appelle l'économie de la vie. Mais on ne peut pas imaginer d'être en situation de tout produire chez nous. Et en réalité, ce qui manque chez nous, c'est d'être plus souverain, moins dépendant de la mondialisation du marché dans les secteurs de l'économie de la vie et d'avoir plus de mondialisation de la règle de droit pour éviter ces catastrophes. Bill Gates, la CIA, vous-même aviez il y a bien longtemps alerté sur ce risque d'épidémie mondiale. Pourquoi n'avez-vous pas été entendu ? On a été entendu là où on l'est toujours, c'est-à-dire que dans les pays qui ont l'habitude de ce genre de pandémie, en particulier les pays d'Asie qui ont connu ces pandémies beaucoup plus souvent que nous, tout était prêt. Et en particulier, les habitudes de comportement étaient prêtes. Dans les pays qui ne les ont pas connus, dans lesquels comme en particulier en Europe ou aux États-Unis, on n'a pas été entendu. Plus généralement, c'est la même chose pour le climat.
On n'aime pas s'occuper des problèmes de long terme. Quand on vous dit qu'il va y avoir un problème plus tard, on dit on verra plus tard. Par contre, quand on l'a déjà vécu, comme en Chine, on a vécu des problèmes de ce genre, et très souvent, on s'y prépare. C'est en mettant tous les moyens dans l'économie de la vie qu'on évitera la pire récession de tous les temps. C'est ce que vous avez écrit récemment. Quel mode d'emploi ? Le mode d'emploi, c'est à tous les niveaux, que ce soit au niveau national, au niveau international, au niveau régional, au niveau des communes, de faire que chacun, même dans son entreprise, s'oriente vers ce secteur d'économie de la vie. Je rappelle ce que sont pour moi les secteurs d'économie de la vie, qui sont très, très présents là où vous êtes, qui sont la santé, l'hygiène, l'agriculture, l'alimentation, l'éducation, la recherche, la culture, les infrastructures, les énergies propres, l'eau propre, les déchets, le digital et l'ensemble des secteurs de la sécurité, de la démocratie, de l'information, de la recherche et de l'université. Ça sont les secteurs de l'économie de la vie. Il faut mettre l'essentiel des moyens dessus. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les autres. Les autres doivent être modifiés. Par exemple, sous réserve de ce que ce virus disparaisse, au contrôle d'un médicament ou un vaccin. Car si évidemment ce virus disparaît la semaine prochaine par un coup de baguette magique ou la température ou je ne sais pas quoi, ou si on trouve un médicament et un vaccin, tout le monde s'empressera d'oublier toutes les recommandations qu'on aura pu faire et on aura tort. Mais si on n'a pas ce coup de baguette magique, ce que j'espère comme tout le monde, mais on ne peut pas faire un pari général, il faut que tout le monde qu'on développe beaucoup plus ces secteurs, qu'on consacre beaucoup plus d'argent à se nourrir, à se soigner, à s'éduquer, à se former, etc., moins à d'autres secteurs, ce qui va poser des problèmes à ces autres secteurs qui devront se reconvertir. L'hôtellerie peut se reconvertir en étant de façon partielle et intéressante, en étant en complément du système de santé, en complément du système scolaire, par des internats de meilleure qualité, en étant en complément du système de santé aussi, en ayant quelque chose qui soit mieux que les épouvantables EHPAD dans lesquels ils sont devenus et qui sont des mouroirs. Donc, en même temps qu'ils maintiennent évidemment leur activité touristique, qui reviendra parce que cette épidémie passera. Le secteur culturel doit se maintenir aussi parce qu'il reviendra, mais aussi doit s'adapter. Les restaurants n'ouvriront pas s'ils ne s'adaptent pas, s'ils ne trouvent pas d'autre façon de distancier les clients. Toutes les activités qui exigent une proximité des clients ou des consommateurs ou une proximité des travailleurs doivent s'adapter. C'est un fait, c'est comme ça. Alors, où ils s'adaptent, où ils disparaissent. Les restaurants qui refuseront, qui ne pourront pas s'adapter, disparaîtront. Encore une fois, sauf si on trouve un médicament, un vaccin ou si l'épidémie disparaît, ce qu'on peut souhaiter. Mais sinon, il faut à tout prix, tout de suite, et ne pas attendre que on vienne vous dire que c'est ou vous fermez ou vous vous adaptez. Il faut s'adapter tout de suite. Il faut inventer de nouvelles façons de faire. Par exemple, en matière musicale, on pourra faire des concerts en vidéo payants. On pourra le faire. Et il faut simplement commencer à y travailler. Il y a beaucoup de choses, comme on arrive maintenant à travailler en virtuel, beaucoup de choses qu'il faut commencer à mettre en place. Sommes-nous à l'orée d'un nouvel ordre économique mondial ? J'en sais rien. On est peut-être à l'heure d'un maintien du système comme il est. On est peut-être au bord d'un chaos total. On est peut-être au bord de l'effondrement des États-Unis et d'une surgissement de la Chine. On est peut-être au bord de l'effondrement de l'Europe ou au contraire d'un renforcement de l'Europe. Tout est possible. Je crois que l'Europe peut être la grande superpuissance. C'est possible. C'est tout à fait possible. Ça exige de ce que l'Europe, ce qu'elle commence à faire, de développer des instruments spécifiques, de penser à mettre en place une stratégie industrielle autour des industries de la vie, autre chose qu'on n'a pas encore fait, qu'il faut faire. Une question de notre politologue Georges Calixte, à présent. Oui, bonjour, monsieur Attali. Oui, dans le fil conducteur, alors je ne sais pas si c'est un postulat ou un paradigme, dans vos interventions,
Vous considérez que l'évolution de l'humanité s'est appuyée sur l'utopie de la liberté individuelle, qui a toujours cherché à trouver des compromis avec la rareté, et que selon vous, c'est ce qui aurait donné naissance au couple vertueux démocratie-marché. Toutefois, quand on voit qu'il y a une propension de plus en plus à la liberté individuelle, et que l'on voit que parallèlement, les ressources, en particulier le temps, où les ressources diverses se raréfient, est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes en train d'aller vers un chaos mondial, que même l'ordre, s'il y aurait un ordre juridique international, ne serait pas à même de gérer? Oui, j'ai expliqué ça longuement dans un livre que j'ai publié il y a une quinzaine d'années qui s'appelle « Une brève histoire d'avenir », où j'ai expliqué que, en effet, le marché et la démocratie sont des façons, sur un territoire déterminé, bien déterminé d'organiser une gestion de la rareté et de la liberté dans la rareté, puisqu'on est libre dans un contexte de rareté, dans le marché et dans la démocratie. Mais j'ai aussi expliqué dans ce livre que le marché a tendance à devenir mondial alors que la démocratie n'a pas les moyens de devenir mondial. Ça renvoie à la question de tout à l'heure sur l'ordre de droit. Et donc, au total, nous sommes dans une situation où, si on n'est pas capable de mettre en place un ordre de droit global, on va en effet aller vers un chaos général. Chaos qui sera dominé soit par une nouvelle puissance. Je ne crois pas que la Chine sera capable d'être cette puissance, parce que je ne crois pas que la Chine, ni les volontés, ni les moyens de devenir une superpuissance planétaire. Par contre, je ne crois pas non plus que les États-Unis aient le moyen de l'être durablement d'une façon encore stable, en raison de son chaos actuel. L'Europe peut le devenir. Il y a un risque aussi qu'aucun ne le devienne et qu'on soit un peu comme à la fin de l'Empire romain, dans un grand déclin, avec une tentation aussi de voir les grandes entreprises multinationales prendre le pouvoir, les GAFA remplaçant les États, les GAFA et les GAFA chinoises. Ça, c'est une hypothèse possible. Ce chaos, à mon avis, est tragique et il devient tout à fait dangereux. Il est tout à fait un risque. On peut encore l'éviter, mais il est tout à fait dangereux. Oui, Monsieur Attali, ma deuxième question concerne les stratégies de résolution de la crise. Actuellement, ici, je prends le cas de la France. La France, vraisemblablement, va tourner à moins 9% de son produit intérieur brut, autour d'une dette qui irait autour de 115% du produit intérieur brut. Et donc, on a l'impression d'un interventionnisme de l'État, et c'est de manière globale, y compris au niveau européen. Est-ce que vous pensez que face à une situation où il y a eu un tel ralentissement de l'économie, l'approche keynésienne avec l'interventionnisme de l'État et de la puissance publique est celle qu'il faut privilégier, ou est-ce qu'il faut trouver des formes de compromis avec d'autres formes d'aide? Non, il faut le faire, parce qu'on a le privilège incroyable aujourd'hui de pouvoir le faire avec des taux d'intérêt très bas, à taux fixe, pas d'inflation. Pour une période assez longue, donc je pense que si on s'endette à taux fixe à 30 ans, on peut agir, investir à 30 ans. Il faut surtout s'endetter à taux fixe et pas à taux variable, ce qui serait extrêmement, extrêmement dangereux. Donc oui, je pense qu'il faut le faire, à condition de se focaliser et d'aller vite, et de ne pas mettre des dettes juste pour faire des dettes, pour augmenter des déficits, pour le plaisir de faire des déficits, ou pour financer des entreprises qui sont condamnées. Par exemple, financer des hôtels qui resteraient vides pendant 2 ans, ça n'a pas de sens. C'est criminel, même pour ceux qui y sont. On leur ferait croire que c'est possible, il faut qu'ils s'adaptent, qu'ils fassent autre chose, ou qu'ils réorientent leur activité pour trouver une autre façon d'être rentable dans l'activité actuelle. Encore une fois, sous réserve de ce que cette pandémie pourrait disparaître vite. Alors, dernière question, Monsieur Attali, concernant le modèle de l'altruisme, qui fait partie d'une de vos stratégies, en tout cas, de résolution de la crise. J'aimerais savoir comment vous positionnez les pays africains, et particulièrement, comment vous envisagez, par exemple, autour des années 2030, les flux démographiques en lien avec les problématiques économiques, qui sont incontestables. Là encore, c'est assez clair. On va avoir une population africaine
qui sera de l'ordre de 2,5 milliards voilà. En 2050 contre 1,5 milliard aujourd'hui. Donc là, c'est un changement absolument radical. Si le changement climatique est confirmé, je ne vois pas comment l'Afrique pourra éviter soit un chaos général, soit véritablement une volonté de se prendre en main avec une organisation très forte interne, avec des réformes extrêmes qui lui permettront de moins dépendre du reste du monde. Mais l'Afrique peut le faire. Il y a énormément de potentialités agricoles en Afrique, gigantesques. Il y a de l'eau en Afrique, contrairement à ce qu'on croit. Le barrage qui est en train de se faire au Tchad en est un exemple. Il y a des moyens, une affluence, une abondance considérable. Donc l'Afrique a des moyens de le faire. D'ailleurs, la façon dont l'Afrique réagit à cette épidémie montre que l'Afrique est pleine d'initiatives dans beaucoup de domaines. Donc l'Afrique a tous les moyens, il faut évidemment l'y aider. La crise actuelle est tragique parce que les migrants ne vont pas pouvoir renvoyer leurs revenus en Afrique dans les semaines et les mois qui viennent, ce qui sera très mauvais. Le tourisme en Afrique ne va pas être là, comme il va être aussi très difficile chez vous. Donc il y a des grandes difficultés en Afrique. L'Afrique ne pourra pas non plus exporter beaucoup de ses produits vers l'Europe, les États-Unis ou la Chine. Et si on ne veut pas que la Chine dépende, l'Afrique dépende de la Chine plus encore qu'elle ne l'est aujourd'hui, sans doute est-il absolument crucial que l'Europe fasse beaucoup plus. Et l'Europe l'a compris, je crois. Le début du déconfinement annoncé pour le 11 mai prochain, avec notamment la réouverture progressive des établissements scolaires, c'est un risque ou une nécessité économique ? Moi, je reste sur l'idée que tant que le virus n'a pas disparu, que le vaccin n'est pas là, que le médicament n'est pas là, qu'on n'a pas les tests, qu'on n'a pas les masques, et qu'on n'a pas... l'ensemble des équipements nécessaires, ce déconfinement est extrêmement dangereux. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on déconfine ? On déconfine parce qu'on a plus de respirateurs. Et donc on peut se permettre d'avoir plus de gens malades puisqu'on a plus de gens, plus de moyens de les soigner. Le confinement est lié au nombre de respirateurs. C'est en fait extrêmement cynique, ça n'est pas dit, mais c'est comme ça. Plus on a de respirateurs, plus on peut soigner des gens en situation difficile, et d'ailleurs avec des grands progrès, puisque le soin par respirateur a fait d'énormes progrès depuis un mois. Ça ne change rien. Le déconfinement va être suivi d'un reconfinement, parce qu'on va se rendre compte qu'on va dépasser la nouvelle plafond de respirateurs. Oui. En France, Jacques Attali, quelles sont les marges de manœuvre de l'État pour limiter la casse en sortie de crise ? Je parle de casse sociale. Considérable. Il suffit de vouloir et de savoir qu'il faut être dans une économie de guerre. Voilà. Voilà, mes amis, je vous remercie. Merci. Je vais vous laisser, malheureusement. Merci à vous, en tout cas, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Voilà donc Jacques Attali qui était donc en direct avec nous et qui nous a permis un peu d'élargir le spectre et qui nous a livré son analyse experte de cette gestion de crise mondiale. Georges Calixte, qu'en pensez-vous ? C'est vrai que le risque du chaos qui a été évoqué, on n'a pas souvent évoqué sur ce plateau, mais il est bel et bien réel. Il a d'ailleurs expliqué pourquoi. En fait, il a avancé deux raisons. La première, c'est qu'il y a une opposition entre la régulation mondiale de l'économie, il est possible de mettre en place des règles mondiales, mais qui s'oppose à la localisation de la démocratie. Mmh. Ça veut donc dire qu'on est en présence de deux logiques qui sont antinomiques. Résultat, on aurait pu penser qu'un pays tel que les États-Unis ou la Chine prenne le leadership pour pouvoir effectivement dynamiser, en tout cas dès lors qu'il y a un leader, ça met un peu plus d'ordre, plus de clarification. Or, il vous dit qu'il prévoit,
contrairement à l'imperfide hein, qui avait écrit quand la Chine s'éveillera. Il prévoit en tout cas une limitation de l'influence de la Chine qui aura bien à s'occuper d'un certain nombre de problèmes intérieurs hein, tels que la retraite, etc. Puisqu'en Chine on n'y est pas. Et d'un autre côté, que les États-Unis resteront encore pendant quelque temps le leadership mondial, mais ne resteront pas la puissance économique mondiale unique. Ça veut donc dire qu'il faut maintenant retrouver ou recréer un nouveau modèle qui soit un compromis entre les démocraties locales et les règles internationales, et que pour l'instant, il n'y a pas de pays particulier qui semble être celui qui serait à même à pouvoir dynamiser en tout cas cet aspect régulateur. Mmh. À partir de ce moment-là, la théorie du chaos n'est pas le seul. Hein. Je vous rappelle que les économistes qui sont de la tendance Schumpeter, ou voire même un certain nombre de Keynésiens en sortie de crise, ont une approche extrêmement pessimiste, même si ils reconnaissent que les démocraties disposent des moyens de pouvoir aider. Puisque je vous signale que, et c'est Jacques Attali qui le disait, qu'actuellement, au niveau des aides que les pays sont prêts à mobiliser pour pouvoir aider au redémarrage de l'économie, c'est 10 000 milliards de dollars. Ceci étant dit, ces 10 000 milliards de dollars, il faut savoir dans quelles conditions on les donne. Est-ce qu'il faut des prêts à taux zéro? Est-ce qu'il faut... Alors voilà, je crois que chacun maintenant va se replier sur lui-même et je pense que la stratégie américaine ne sera pas la stratégie française ni la stratégie européenne. Harry Anslade, une opportunité cette crise pour les Outre-mer, pour la Guadeloupe, même si on est en droit d'être pessimiste, mais bon, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose à saisir là? Avant de l'emmener sur la Guadeloupe, ce que moi je me pose une question. Malheureusement, il y a des moments où je pense que quand on a raté des tournants de l'histoire, c'est toujours difficile parce que on croit que les choses ne sont jamais graves, on peut tout attraper demain. Et on a tendance à penser comme ça. Moi, je dis qu'il y a des moments, il y a des tournants importants. Dis-moi, je voulais te poser une question. Oui, qui me revient. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que le vote européen de la Constitution en 2004, je crois... 2005. Je me souviens d'un certain nombre de personnes qui étaient parties à fond contre. Et l'argument principal était de dire c'est un régime... Enfin, c'est libéral et nous, on ne veut pas ça, donc on ne fera pas la Constitution. Oh, moi, je disais, non, je fais la Constitution et le combat après pour faire évoluer. C'était ma conviction. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, 15 ans, avec 15 ans de retard... Est-ce qu'on peut dire que c'était une erreur ou non, c'était une bonne chose de ne pas faire la Constitution européenne? En tout cas, après la France, le Portugal et les Pays-Bas l'ont rejeté. L'idée à l'époque était de dire qu'il ne fallait pas que l'Europe puisse avoir une influence supranationale. Parce que l'une Constitution européenne voudrait dire que toutes les constitutions nationales se soumettaient... On allait vers le fédéralisme. Tout à fait, on allait vers un fédéralisme, mais on était dans ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, avec non plus une norme constitutionnelle au sommet, mais la norme européenne. Maintenant, il n'est pas nécessaire qu'il puisse y avoir une constitution pour qu'il y ait un choix dynamique. Maintenant, l'Europe est prête à mettre jusqu'à présent 1 500 milliards d'euros. C'est ce qui a été annoncé par la Banque Centrale Européenne et la Banque Européenne d'Investissement. Maintenant, il faut voir. Ça résoudra le problème maintenant. Mais en fait, à travers la dette, les États ne font que se déresponsabiliser en faisant porter aux générations ultérieures le poids de ces dettes. Donc, quand j'ai parlé tout à l'heure avec Jacques Attali de chaos, c'est que oui, il va falloir de toute façon aider les entreprises à redémarrer. Il y en a qui ne travaillent pas, qui ne travailleront pas. Oui, il va falloir l'interventionnisme de l'État. Oui, l'approche keynésienne, ça on ne pourra pas l'éviter. Mais pendant combien de temps et sur quel montant? Parce qu'actuellement, la France aura 115% de son produit intérieur brut en dette. Mais il faudra payer un jour. C'est pas comme pour l'Afrique où on dira on annule les dettes de l'Afrique. Il faudra un jour payer. Donc il faut que la dette soit un élément de dynamisation de l'économie. Ça ne doit pas être pour les États les plus riches. Hein, je parle au G20. Parfois on l'appelle aussi le G20, VAIN, parce qu'en réalité ils ont du mal à trouver des règles entre eux. Tout à fait. Il ne faut pas non plus que ça soit un moyen de gagner du temps pour pouvoir différer ultérieurement des problématiques qu'il faut commencer à traiter dès maintenant. Donc c'est intéressant parce qu'effectivement, cette fameuse crise sanitaire,
à mon avis, va soulever énormément de problèmes dans l'organisation mondiale des choses. Ça, pour moi, ça ne restera pas neutre. Et en posant la question tout à l'heure, alors, est-ce la mondialisation la cause? Moi, depuis que ça a commencé, je me dis, finalement, la nature est un jeu d'équilibre. On parle aujourd'hui de la cigarette qui pourrait éventuellement aider à... Ça me fait rigoler, parce qu'en définitive, finalement, tout a un plus, un positif et un négatif. Il y a toujours un point favorable, un point favorable. Et tout le temps, je me pose ce problème de mondialisation, parce qu'en définitive, là, maintenant, soit aujourd'hui, c'est le fait qu'on bouge beaucoup, que ça s'est accéléré. Au niveau sanitaire, c'est parce qu'on bouge énormément. On est tout le temps dans les avions, on voyage, etc. Bon, donc ça, aujourd'hui, voilà une conséquence négative. Mais elle n'est pas toujours que négative, le fait de bouger, de pouvoir voyager. C'est un plus pour l'homme. C'est une capacité d'enrichissement, de voir ce qui se passe, d'échange, etc. Donc, il y a toujours un plus ou un moins. Il y a toujours des favorables et des favorables. Mais, alors, il y a un autre aspect. Ce débat vis-à-vis, bon, j'ai quelques critiques à faire suivant les comportements individuels souvent, ou même des phrases, ça va plus qu'individuel. Bon, on parle de la Chine, par exemple, il disait tout à l'heure, la Chine pourrait pas être une première puissance. Mais moi, quand je regarde, par exemple, je dis, la mondialisation, que, effectivement, sur laquelle on peut débattre longtemps, et on peut, qui a pas mal de mots, à qui on peut reprocher beaucoup de mots, la mondialisation. La mondialisation et le libéralisme, l'ultralibéralisme. Oui. Bon. Objectivement, je prends un État comme la France, que j'ai vu évoluer. On a laissé les entreprises s'en aller au fur et à mesure. Parce qu'à la recherche du profit, c'est ça. On va chercher la meilleure. Il y a une désindustrialisation. Voilà. C'est le cas des Basques. Maintenant, on dit qu'il faut réindustrialiser. Ouais. Mais, alors, moi, la question, en même temps, ça a un avantage. Quand on raisonne au niveau universel, je me dis, ben, finalement, c'est sûr que pour les gens qui vont perdre leur emploi en France, qui ont perdu leur emploi, etc., dans les industries, c'est une catastrophe. Mais un certain nombre de pays pauvres, c'est la seule solution qu'on leur a donnée pour pouvoir monter au fur et à mesure. Puisqu'en commençant à travailler à bas prix, oui. Mais au fur et à mesure, ça structure ces pays-là. C'est pourquoi j'ai interrogé Jacques Attali sur l'Afrique. Voilà, tout à fait. Parce qu'effectivement, et il a reconnu que c'est quand même, ça deviendrait un continent émergent. Mais alors, juste pour te dire quand même, moi ce qui m'inquiète, je voudrais qu'on revienne à la situation de la Guadeloupe. Il faut qu'on puisse trouver un compromis entre les faits et le droit. Si on prend, du point de vue du droit, les conditions pour bénéficier des prêts garantis par l'État, PGE, je crois, prêts garantis par l'État, il faut qu'il puisse y avoir des conditions de mise à jour des charges sociales et fiscales comme préalable. Ah oui, bien sûr. Quand on sait que chez nous, les entreprises à 75%, ce sont des entreprises individuelles, les petites entreprises, que ces petites entreprises ont des difficultés, moi je suis inquiet. C'est-à-dire que j'estime que si les choses restent dans l'état actuel du droit, alors que nous n'avons pas localement le pouvoir normatif de pouvoir infléchir en tout cas ces impératifs juridiques. La région pourra éventuellement, mais jusqu'à quel point elle pourra aider, faire des prêts, en tout cas donner des aides ou des subventions, en tout cas le régime d'aide aux entreprises. Et là maintenant, on est donc dans une situation où j'avoue que je suis inquiet tant que j'entendrai qu'il y a des conditions aussi drastiques qui permettent à nos petites entreprises d'y accéder. Maintenant, si à un moment donné, face à une situation, il y a un plan Marshall, et que ce plan Marshall atténue les contraintes juridiques et se confronte à la réalité des faits, tout en ayant une certaine vigilance, parce qu'il ne faut pas non plus que certains chefs d'entreprise qui étaient déjà en difficulté profitent de la situation pour pouvoir, on l'a vu hein, quand même après la crise de 2009, mais sous réserve de cet aspect-là, je pense qu'il y a des tolérances normatives et juridiques à avoir pour que ce qui est les faits soit davantage en compatibilité avec les aides, plus que par des impératifs juridiques. Tout à fait. Oui, c'est d'accord. Ah oui, tout à fait, mais parce que malheureusement, souvent dans ces genres de situations, c'est là où on dit on va aider, on va faire, etc. Et souvent, en face, il y a une résistance. On utilise ça pour faire du blocage et empêcher que les choses avancent assez rapidement. Bon, mais c'est vrai qu'on a. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve dans cette situation ici, très souvent. Parce que nous sommes souvent en contradiction avec le droit. De fait même. Hélas. Mais de fait même. Ça nous arrange.
Mais, oui, oui, mais je vois bien. Alors, mais toujours je vois bien. Alors toujours pareil, on retombe sur un élément. Est-ce qu'on peut nous en faire le reproche? Mais ce que j'allais dire, je vais plus loin, parce qu'en définitive, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, ce qui est dramatique, moi je raisonne en acteur économique. Vous trouvez des fois, vous avez une décision à prendre, il faut faire. Le droit qui est totalement inadapté sur des affaires, dans des situations d'affaires, bloque. Et vous vous retrouvez à traîner. Il y a un fait simple, hein. Quand quelqu'un a décidé un investissement à une date, aujourd'hui, on n'a pas la même volonté dans deux ans si rien n'a été fait. Vous abandonnez le projet en chemin. Mm-hmm. Et c'est le drame, c'est ce qu'on vit tout le temps. J'ai vu des et ça on le fait en permanence. J'ai vu des Canadiens venir vous monter un super projet, tout était ok. Au niveau pour eux, tout était ok. Ils sont venus moi après, rien n'est fait parce que c'est bloqué juridique, délibération municipale n'est pas faite, etc. Deux fois ils sont revenus, ils ont abandonné le projet. Point. Parce que c'est comme ça que ça marche. Oui, mais est-ce que c'est pas le fait que récemment on a quitté la défiscalisation traditionnelle pour aller vers le crédit d'impôt et que le transfert de la défiscalisation traditionnelle vers le crédit d'impôt s'est trouvé à mettre les entreprises dans une obligation de préfinancement des projets d'investissement avant de bénéficier des aides? Ça, c'est du bon. Ça, c'est encore un autre. Oui, ça, c'est un problème qui est fondamental. Ça, c'est un problème, effectivement. Oui, puisque si vous n'avez pas de trésorerie, comment vous pouvez. Tout à fait. Donc, vous êtes dans un cercle infernal. C'est ça qu'il faut faire à un moment donné. Et je pense que. C'est la raison pour laquelle. On veut dire tout ce qu'on voudra. Je resterai convaincu qu'il ne fallait pas rater le coche pour réguler, mettre les choses au carré. On coince à chaque fois. On a toujours été bloqué sur des choses parce que c'est inadapté. Notre système est inadapté en beaucoup de choses. Il fallait obligatoirement qu'on prenne une certaine autonomie d'organisation. Je ne comprends pas. Mais à un moment donné, je pense que se posera le problème du pouvoir normatif local. C'est-à-dire qu'à la suite de la crise, il y aura tellement de problèmes à régler avec un système juridico-administratif qui n'est pas forcément approprié à la réalité locale, que très rapidement, les acteurs eux-mêmes se rendront compte qu'il va falloir qu'un pouvoir normatif local plus important, qui ne semble pas poser problème, en tout cas, à nos gouvernants. Je rappelle qu'actuellement, il y a la loi 3D, le projet de loi, puisqu'actuellement, toute 3D, des différenciations, des concentrations, démocratie, décentralisation, pardon. Avant, il y avait déjà la modification constitutionnelle qui prévoyait un pouvoir normatif. J'ai assisté personnellement à deux congrès. À chacun de ces congrès, il est question de mener la réflexion pour savoir dans quel domaine on demande le pouvoir normatif. Et à la date d'aujourd'hui, les choses n'ont pas avancé d'un pouce. Et ne voilà-t-il pas que la région, c'est surtout elle qui est confrontée à la problématique économique, devra vraisemblablement, sous ses fonds propres, ça veut donc dire que son autofinancement ne sera pas. Alors, on prendra un coup, et à la limite, même s'il est excédentaire, l'autofinancement, c'est le fait qu'entre les dépenses et les recettes d'une année, les recettes soient excédentaires. Mais le but de cet autofinancement, c'est normalement de le mettre sur les investissements. Tout à fait. Or, si vous le prenez pour pouvoir donner aux entreprises, vous prenez le problème en sens inverse, c'est-à-dire que vous donnez aux entreprises, mais vous ne créez pas le système consommatoire. Mm-hmm. Donc vous donnez de l'argent aux entreprises au détriment de la consommation, et les entreprises, quand elles auront l'argent, n'auront pas la consommation. Dès lors qu'ils n'ont pas la consommation, il n'y a pas de croissance, pas de valeur ajoutée, et on tombe encore dans ce cycle infernal. Je vous avoue, Thierry Fendéré, que moi j'ai quelques soucis à partir du mois de septembre pour la Guadeloupe. Je pense que tout le monde partage ce constat. Moi, je suis. La question, c'est jusqu'à quelle proportion et que faut-il craindre? Alors, la crainte, on le connaît. On la connaît, excusez-moi. On l'a vu en 2009. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de mouvements sociaux parce qu'il n'y avait pas de dénominateur commun. Là, maintenant, il risque d'y avoir un dénominateur commun qui est la pauvreté. Mm-hmm. En France, actuellement, je vous signale qu'on en est à près de 10 500 000 personnes en chômage partiel. C'est ça. 36 000. Un salarié du privé sur deux. Tout à fait. 36 000 à la Guadeloupe. Or, quand la préfecture a fait le point sur le nombre d'entreprises qui avaient été habilitées, il y en avait plus de pas loin de 6 000, mais combien ont actuellement enclenché un ordre de versement?
moins de la moitié. Ça veut donc dire qu'il y en a qui ont fait la demande, à qui on a dit oui, mais voici quelles sont les conditions, et qui sont incapables de pouvoir passer au crédit de paiement, tout simplement parce qu'elles ne remplissent pas les conditions. Et ça va créer, à mon avis, une situation de tension sociale qui commencera d'ailleurs dès le 11, et vous verrez le cafarnaüm que ce sera par rapport aux écoles. Non, c'est sûr, il y aura une crise sociale. Ariane Slan ? Oui, mais, non, mais c'est sûr. Non, mais, ah non, mais ça, c'est certain. On va une situation sociale, parce qu'on ne peut pas... On n'a pas toutes les conditions pour pouvoir lutter correctement dans cette situation. Ouais. On peut raconter ce qu'on veut. Il faut toujours pouvoir agir vite sur les choses. Mm-hmm. Et ça, on n'a pas assez moyens. On y sera content dans l'urgence. Mais oui, moi, je reviendrai sur... On en parle tous les jours, c'est vrai, mais moi, à chaque fois que je pense à ça, pour moi, la signature de l'échec de la politique qu'on a menée ici, c'est le fait qu'on est dans un pays qui se veut touristique et qu'on est incapable de donner de l'eau à des villes balnéaires, etc. Mais je ne dis pas ça pour lancer une pierre dans le... Non, je dis ça parce que je l'ai vécu en ayant créé une zone industrielle. En 89, et mon premier problème a été, il n'y a pas d'eau. Ouais. Et depuis l'époque, je me suis battu. Toribio, qui était maire, a fait des travaux. C'est pour ça que des gens l'ont monté maintenant à certains endroits qui n'avaient jamais d'eau, ont de l'eau. Je me suis battu avec José Toribio à l'époque. Et finalement, on a lancé ce processus. Il a lancé tout un programme de nouveaux réseaux. Mm-hmm. Et quand il est arrivé près de la zone industrielle, il fallait traverser un petit bout de terrain de M. Simonette qui m'avait vendu pour faire la zone. Et je ne sais pas ce qu'il a demandé comme négociation. Et ils ne se sont pas entendus. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Mais la mairie n'a pas eu le pouvoir de traverser ce bout de terrain pour entrer dans la zone industrielle. Oui. Le réseau s'est arrêté. Je sais pas moi, 50 mètres du de la zone industrielle. Et là, on peut traverser. Et tout ça, c'est un problème. Alors là, on est revenu en matrice. C'est un truc qui m'a toujours choqué de voir une zone industrielle privée d'avoir de toute sa quantité d'eau, alors que le réseau est à côté, c'est un détail. Un détail. Et bien, finalement, quand je regarde, depuis cette époque, on parle de l'eau, on parle de l'eau, on parle de l'eau, on arrive à 20 ans plus tard, on n'a pas d'eau, mais de façon... On n'aura pas d'eau en plus. Pourquoi ? Actuellement, la stratégie des municipalités consiste à installer des compresseurs. Oui, actuellement, oui. Mais quand vous prenez un compresseur avec le même volume d'eau, vous injectez de l'eau dans une zone, mais ça ne peut être qu'au détriment d'une autre zone. Effectivement, donc il y a certains qui ont vu leur situation s'améliorer par les compresseurs, mais il y en a d'autres qui ont vu leur situation se détériorer parce que le volume étant constant, les compressions, on partage, mais on ne la partage même pas, puisque ceux qui ont le compresseur en ont, mais ça s'est fait au détriment de ceux qui actuellement voient des coupures plus longtemps. Nous reviendrons sur ce dossier de l'eau d'ici quelques instants. Le point de situation donc sur l'évolution de l'épidémie vient de tomber. Donc, point de situation de ce mercredi 22 avril. La Guadeloupe, selon l'ARS, compte 148 cas cumulés de coronavirus confirmés par test PCR. Aucun nouveau cas n'a été recensé donc à la date d'aujourd'hui. L'élargissement des tests PCR sur le territoire aux patients peu symptomatiques ou à risque particulier a débuté afin d'évaluer avec précision le niveau de circulation du virus au-delà du suivi épidémiologique mis en place depuis un mois par Santé publique France. Alors, il faut noter aussi que parmi les cas confirmés, 15 patients sont hospitalisés au CHU de Guadeloupe, 12 sont en réanimation, 3 en médecine. Un patient a signalé en médecine donc au CHBT suite à une réhospitalisation d'un patient déjà confirmé. Il n'y a plus de patient au centre hospitalier de Marie-Galante. Aujourd'hui, 76 personnes au total sont déclarées guéries par les infectiologues en Guadeloupe. Voilà donc à retenir, 148 cas cumulés de Covid-19 à la date d'aujourd'hui sur l'archipel et pas de nouveaux cas de recensés. Voilà. Nous avons donc au 32 80 80 en ligne avec nous, avec un léger Larsen, nous avons Henri Yacou. Henri Yacou, ancien directeur général de la CGSS à la retraite. Une retraite néanmoins active, Henri Yacou. On aimerait... Bonjour, déjà. Bonjour. On aimerait déjà vous entendre par rapport aux réponses aux entreprises. On a entendu durant toute cette émission l'inquiétude de grandir chaque jour un peu plus par rapport à la situation des entreprises, mais peut-être au préalable, le plus important, c'est la santé des Guadeloupéens. Et là non plus, on n'est pas rassuré. Bonjour. Alors, je vais
peut-être dire des choses qui vont choquer certaines personnes. Il faut vraiment être très relatif dans ce qu'on raconte sur un peu tous les groupes et compagnies. La santé des Guadeloupéens ne se résume pas en 2020, à savoir est-ce qu'il y en a qui ont le Covid ou pas. La santé des Guadeloupéens, c'est un problème qui est posé depuis tantôt. Sauf que lorsque vous êtes dans un pays avec autant d'obèses, autant de personnes diabétiques, autant de risques d'AVC, forcément, comme on dit, la prévalence de cette question fait que nous sommes une population plus fragilisée que dans d'autres régions. Donc, il y a un vrai sujet de santé des Guadeloupéens. Par contre, ce qui m'interpelle depuis que je suis un peu l'actualité de cette question, c'est de voir que aujourd'hui, d'aucuns a décidé de s'occuper de la santé des Guadeloupéens comme si il n'y avait pas des autorités en charge de ces questions. Et j'observe que cette question n'a jamais fait l'objet de débat lorsqu'on parle d'évolution des institutions de la Guadeloupe ou autres. Ce qui m'interpelle aussi, c'est le fait qu'il y ait, et ça c'est un vrai sujet de démocratie, qu'il y ait autant de personnes qui s'expriment sur un sujet aussi compliqué grâce à tous les réseaux et compagnie. Et ça c'est un grand danger pour notre petit pays par rapport à la démocratie. Il me semble que la démocratie, c'est des élus qui nous représentent, c'est les services publics qui doivent mettre en place une politique. On observe en Guadeloupe, mais comme dans tout le pays du monde, hein, mais en Guadeloupe en particulier, dans un petit pays comme le nôtre, ça fait beaucoup plus de dégâts qu'on peut l'imaginer parce que tout le monde a la réponse à la situation. Et tout le monde s'occupe de tout, dit tout, et le contraire, au point qu'on ne sait plus où est la vérité. Or, dans la situation dans laquelle on est, je reprendrai l'expression de grand médecin psychiatre qui disait « les crises, les bouleversements ne surgissent jamais par hasard et ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations ou expérimenter un autre chemin. » Or, ce que j'observe sur la question de la façon de traiter la question de santé qu'il y a en Guadeloupe, c'est que on ne sait plus qui c'est qu'il faut. Moi, je suis citoyen, je suis de l'extérieur. Mais j'ai une expérience qui me permet de dire ça. Je me mets à la place de Guadeloupéen qui ne sait plus qui c'est qu'il doit écouter et qui c'est qui donne la réponse au problème qu'il pose. Et ça, c'est un vrai sujet. Et nous verrons ça surtout lorsque la crise sera un peu terminée. Je crains que nous voyons encore beaucoup de personnes ici et là s'exprimer sur tout et surtout sur des sujets qui sont compliqués. Vous savez, je disais à un certain nombre d'amis, Je me mets à la place de ceux qui ont des responsabilités, je me mets à la place de chefs d'entreprise qui sont dans cette situation et qui ne savent pas de quoi va être fait demain. Alors que d'autres qui ne sont pas dans cette situation de responsabilité, qui ne sont pas des fois des chefs d'entreprise, c'est eux qui disent qu'on aurait dû faire ça, pourquoi on n'a pas fait ça, etc. etc. Donc, cette crise est révélateur de la question essentielle pour moi en Guadeloupe. C'est la question de la responsabilité, la question de la responsabilité politique, la question de la parole responsable politique. Un petit pays comme le nôtre ne peut pas avoir autant de gens qui parlent sur tout, de tout, alors que personne n'a la réponse à la situation. Et j'insiste sur cette question. Pourquoi ? L'entrée, paraît-il, c'était fin de confinement le 11. Mais bon Dieu, il est évident que quand vous êtes maire d'une commune, quand vous êtes aux responsabilités, vous pouvez entendre la parole du président de la République, mais dans votre réalité terrestre, savoir que vous avez une méthodologie à mettre en place pour savoir si c'est possible ou si c'est pas possible. Vous n'avez pas à dire que vous n'allez pas aller tuer les enfants, vous n'allez pas mettre les enfants en risque et compagnie. Un président de la République, quelque part, si on est dans un système qu'on respecte, eh bien, quand il donne une parole, la question après, c'est de savoir concrètement, est-ce qu'on est en capacité de faire ou de ne pas faire. Et si on n'est pas en capacité de faire, il faut être capable de dire au service de l'État, je ne suis pas capable de faire. Mais non pas commencer par dire le lendemain qu'on n'est pas d'accord, que c'est quoi ça, etc. C'est un sujet compliqué, j'insiste, parce que c'est un sujet de santé publique qui touche tout chaque Guadeloupéen sur un danger qui est invisible. Quand c'est la dengue, on sait que c'est le moustique. Mais quand c'est un virus que vous pouvez avoir à n'importe quel moment, comment vous faites pour être sûr qu'il faut faire à gauche, il faut faire à droite? Et pour ça aussi, je voudrais dire quelque chose. J'ai pris des renseignements. J'ai appelé le président de la collectivité de Saint-Barthélemy. Il y a 10 000 habitants à Saint-Barthélemy.
Je connais bien le président de la collectivité. Il est déjà en train de se préparer pour être le premier site qui va permettre aux touristes de venir dans la Caraïbe. Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Il a les moyens financiers de tester un maximum de personnes, sauf que ça coûte 2 millions. Donc si vous ramenez ça à tout ce que j'entends ici, là, il faut tester tout le monde et compagnie, il y a 390 000 personnes en Guadeloupe. Qui c'est qui donne l'argent pour tester un maximum de Guadeloupéens quand ça coûte 200 000 euros pour 10 000 personnes? Ce sont ces problématiques-là que je souhaite mettre sur la table. Je n'ai pas de réponse. Hein. Et je n'ai pas de réponse d'autant plus que je voudrais bien qu'on me dise qui a la réponse à toutes les questions qui se posent suite à cette crise sanitaire grave. Oui, vous le dites bien, vous n'avez pas de réponse. Ben, s'il y en a qui ont des réponses, qu'ils donnent des réponses. Oui, mais Henri Yacou, si la société civile, puisque c'est d'elle dont vous parlez, hein, tous les commentaires qui sont faits sur les réseaux sociaux, si elle est aussi, aussi active, c'est peut-être parce que la nature a tout simplement horreur d'un certain vide. On est d'accord. Alors moi, je fais partie de la société civile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut causer, faire des WhatsApp ou bien dire, voilà ce que je propose. Ouais. Moi, j'ai déjà fait deux propositions à un certain nombre d'autorités. Le premier, c'est de dire, par exemple, très concrètement, le problème des entreprises aujourd'hui, c'est d'abord un problème de trésorerie. D'accord? Avant de dire que les entreprises ne sont pas capables de faire leur dossier compagnie, croisons l'abcès des factures non payées de toutes les collectivités locales. Et ça, il y a des solutions pour cela. La solution, c'est des problèmes de cession de créances, c'est des problèmes de circuit à mettre en place entre toutes les autorités. Et je voudrais rappeler juste quelque chose, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est prévu dans les textes depuis 2006. Comment on paye les marchés publics quand celui qui a émis la commande n'est pas en capacité de payer? Ça donnerait tout de suite un ballon d'oxygène à toutes les entreprises. Et c'est un vieux sujet. Il y a même une circulaire de 2013, me semble-t-il, qui avait expliqué comment mettre ça en place. Ça n'a pas été fait. Pourquoi? Et ça, c'est un sujet que je connais bien, mais que je me suis battu combien de fois pour essayer de faire ça. On a réussi de sacrer coup des fois, notamment sauver quelques entreprises lorsqu'on a travaillé ensemble à l'époque, tous ceux qui étaient acteurs de ces questions-là. Mais le problème qu'on a, c'est que tout le monde a une vérité et on a du mal à travailler ensemble. Aujourd'hui, deuxième exemple concret, on ne m'entend pas, c'est la bonne fois que je m'exprime publiquement. J'ai travaillé avec un certain nombre de compétences guadeloupéennes, d'experts guadeloupéens, notamment organisateurs, informaticiens. Alors, on le fait en tant que solidarité. On est en train de travailler sur un portail unique qui permettrait à la CCI, à un expert comptable, un tiers de confiance, comme on dit, à partir de la réseau social de l'entreprise et de son numéro civil, d'accéder à toutes les aides possibles dans ce contexte. Ça a un coût. Mais est-ce qu'on va accepter de mettre des compétences guadeloupéennes sur un sujet comme ça, qui est essentiellement un sujet d'informatique agile, pour qu'on puisse proposer aux entreprises guadeloupéennes et aux petites une solution opérationnelle pour pouvoir qu'ils acceptent à un certain nombre d'outils, à un certain nombre de moyens financiers? Alors, j'aurais pu mettre ça sur les réseaux à gauche et à droite des compagnies. Je suis déjà dans l'opérationnel. Moi, j'ai vécu deux grosses crises en tant que directeur de la Caisse. C'est 2009. Et ensuite, le cyclone Irma à Saint-Martin. Vous pouvez mettre toutes les mesures que vous voulez. S'il n'y a pas des organisations partagées ou robustes pour mettre en place, c'est un échec. Deux exemples. 2009, il y avait 12 000 entreprises qui pouvaient bénéficier de mesures d'effacement de dette et d'allègement de dette et de moratoire. Il n'y en a pas 4 000 qui ont fait les demandes. Deuxième exemple, Irma à Saint-Martin. Idem, sur 100 entreprises qui pouvaient bénéficier de ce nombre de choses, il n'y en a pas 50 qui ont fait des demandes. Et moi, je l'ai déjà dit quand j'étais au travail, on a en Guadeloupe trois catégories d'entreprises. Les groupes, les grandes entreprises bien organisées, bien structurées, qui n'ont pas besoin de vraiment qu'on les accompagne plus que ça, ils sont conseillés, ils ont des équipes, etc. Vous avez une deuxième catégorie d'entreprises, qui sont les entreprises un peu petites, artisanales, compagnies, mais qui se battent, ils ont leur expert comptable et compagnie. Et vous avez une troisième catégorie d'entreprises qui sont des entreprises au sens juridique, mais en fait qui sont des entreprises rebelles parce qu'ils n'acceptent pas des fois d'entrer dans les procédures qu'on leur propose. Et c'est là qu'on retrouve la plupart des fois des entreprises qui n'ont pas d'expert comptable.
Et moi, ma proposition dans ce que j'ai déjà envoyé ici et là, des personnes qui ont une certaine autorité en Guadeloupe, c'est de dire qu'il faudrait profiter de cette crise pour qu'une entreprise qui veut accéder à des soutiens, notamment public, État, région, etc., et bien que ça se fasse par son expert comptable, avec une petite dotation votée pour que cette entreprise paye l'expert comptable pour qu'il rentre dans un système vertueux pour demain. Parce qu'on parle de l'urgence, mais il n'y a pas encore, on n'est pas encore en train de travailler le jour d'après, comme tout le monde dit ici et là. Donc voilà un peu mon positionnement. Je veux bien que la société civile s'exprime, mais je pense qu'il y a suffisamment de compétences en Guadeloupe pour que des personnes puissent s'exprimer, mais qu'ils puissent proposer des choses très concrètes. Et c'est dans cette dynamique-là que je suis avec tous ceux qui ont des responsabilités économiques et politiques en Guadeloupe. Henri Yacou, comment faire face efficacement à la crise économique et sociale qui arrive? Alors, moi, je pense qu'il y a... Bon, j'insiste sur cette réalité, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on vienne me dire qu'on est en train de chercher de l'argent, alors que l'argent est là dans les comptes des communes, dans les mandats qui ne sont pas payés. Donc, il faut trouver une formule pour payer ces mandats, pour que ça donne un peu, Et moi, je suis désolé... pour qu'une entreprise, alors j'entends aussi ici et là que les entreprises ne peuvent pas bénéficier des mesures décidées par l'État et le Conseil régional parce qu'elles ne sont pas à jour des cotisations de sécurité sociale. Mais ce n'est pas ça le sujet. Une entreprise est réputée être à jour des cotisations quand elle a signé un moratoire. D'accord ? Mais pour que cette entreprise signe un moratoire, il faudrait que cette entreprise ait de la trésorerie. Or, elle n'est pas en activité. Donc vous voyez bien qu'on se mord la queue, qu'on ne va jamais s'en sortir. C'est pour cette raison qu'il faut... À partir du moment que les mesures sont annoncées, il faut arrêter de causer des mesures, de parler des mesures, de les apprécier ou de les critiquer. Il faut se poser la question de savoir, très concrètement, qu'est-ce qu'on propose à un chef d'entreprise pour qu'il puisse bénéficier de la mesure. Et moi, mon idée, c'est de dire tout simplement qu'il y a des solutions pour que cette entreprise puisse accéder à tous ces aides à condition que, exceptionnellement, on puisse... bousculer des procédures. Il n'y a pas d'autre solution. On a su le faire après 2009. On a pu le faire après Irma pour ces marques. Pourquoi aujourd'hui, on est en train de courir après des mesures nationales qui ne sont pas adaptées à notre tissu économique, mais on demande des choses qui vont prendre du temps. Je rappelle que la loi de finances se vote près d'un an avant. Là, en septembre 2020, les services de l'État vont commencer à travailler sur la loi de finances de 2021. Donc si on veut qu'en 2021, les entreprises de Guadeloupe bénéficient de ce temps de mesures exceptionnelles, il faut se battre sur l'urgence, mais il faut mettre tout de suite en place une task force pour travailler sur des propositions concrètes pour présenter au pouvoir public dès septembre. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'observe. Tant que j'étais, moi, responsable de la Caisse générale, bon, j'étais sollicité, mais je pense qu'il y a trop d'expertises en Guadeloupe qui ne sont pas consultées par les politiques en général. Qui ne sont pas consultés en termes d'expertise technique. Vous ne pouvez pas, en tant que pouvoir. J'ai vu la délibération du Conseil régional hier. Elle est bonne, elle est biaisée, elle est politique. Mais techniquement, vous ne pouvez pas demander à un État d'annuler les dettes de sécurité sociale. Parce que si elle annule pour la Guadeloupe, il faut qu'elle annule pour la Martinique, pour la Guyane, pour la Réunion. Mais il faut qu'elle annule aussi pour l'Aquitaine, pour la région parisienne, pour la région nord-est et compagnie, parce que la question qui nous touche aujourd'hui, c'est pas 2009, c'est pas suite à un cyclone, c'est un dispositif qui est mis en place pour l'ensemble des entreprises. Donc il faut trouver une mesure qui nous permette de défendre notre particularité. Je disais ce matin à un ami, nous sommes la Guadeloupe, c'est une personne mais qui était déjà malade avant le Covid. Eh bien, qu'est-ce qui se passe maintenant? Comme le Covid frappe terriblement tout le monde, on risque, je dis bien, on risque de ne pas comprendre ce qui va nous arriver dans les 3-4 mois qui viennent s'il n'y a pas des mesures extraordinaires mises en place. Vous savez, je suis très engagé dans la réflexion, mais aussi dans l'opérationnel. J'ai compté, depuis le rapport Jarnac en 1987, il y a eu 8 rapports sur la situation des DOM, et tous ces rapports pointe deux sujets, le problème des charges des entreprises et le problème de l'emploi. Ensuite, il y a eu, depuis la loi Ponce des fiscalisations, et vous avez sur le plateau, me semble-t-il, des personnes qui connaissent cette question mieux que moi, donc c'était en 1986, il y a eu 6
grandes mesures majeures pour les DOM. La loi Perben, la loi d'orientation de l'Outre-mer, la loi Paul sur la défiscalisation en 2000, la loi pour l'Outre-mer, la loi Lurel de régulation économique de l'Outre-mer et récemment la loi égalité de l'Outre-mer 2017. Si ça ne fonctionne pas, c'est bien parce que les mesures qu'on met en place partent de constats, mais ne répondent pas en termes de médication. Et on continue comme ça à revenir sur les mêmes sujets. J'ai vu par exemple qu'une proposition de parlementaire demande qu'on applique le dispositif de la loi Outre-mer et compagnie, mais c'est une loi qui n'a pas marché. Donc si elle n'a pas marché à l'époque, je ne vois pas pourquoi elle va marcher aujourd'hui. Il faut vraiment qu'il y ait une synthèse de l'ensemble des process, des outils juridiques, des process qu'on est capable de mettre en place, et qu'on soit dans l'opérationnel. Moi, quelqu'un qui dit qu'en tant qu'il aura droit à un prêt de 50% de son chiffre d'affaires et compagnie, ben, il entend ça. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on lui propose? Donc, il faut que l'ensemble des acteurs soient capables de créer une équipe commune pour que les dossiers se traitent rapidement et en bonne intelligence. Or, il n'y a pas d'autre outil qu'en informatique pour faire ça. On n'est plus en 2020, à une époque où moi, je prends mon dossier, je le traite, je te le passe à toi, une autre réalité publique. Quand tu as fini, tu me le passes, etc., etc. On est à l'ère du numérique. Donc, il faut qu'il y ait un système d'information qui permet de sécuriser les demandes des entreprises, qui permet de rassurer ces entreprises pour recréer de la confiance. Alors après, que le dossier ne soit pas immédiatement traité, c'est une chose. Mais plus on va travailler de façon cloisonnée, plus ça prendra du temps et plus on va condamner les entreprises. À la différence que si on fait, on met en place une vraie plateforme de mutualisation des équipes, des forces et des moyens, il y a plus de chances qu'on prenne de temps, certes, à construire la plateforme, mais quand elle va être établie, comme c'est de l'informatique, ça ira très vite après. Donc c'est sur ça que je travaille actuellement. Et après, si je veux prendre ce projet, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne suis pas en responsabilité. Je contribue en tant que Guadeloupéen. Il y a une certaine expérience à dire, arrêtons. Moi, je suis très clair. Hein. Arrêtons de parler, travaillons un peu. Voilà. Parfait. Merci, Henri Yacou, pour cette belle intervention. Alors, et cette belle contribution. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de dire que je vais dire quelque chose que tout le monde va se reconnaître. La solidarité, c'est un don de soi, mais ce n'est pas une opportunité pour faire la promotion de soi-même. Et tout le monde comprendra ce que je veux dire. La solidarité, c'est un don de soi, mais ce n'est pas une occasion pour qu'on fasse la promotion de soi-même. Voilà. Très bien. Bon, je pense que c'est un message pour Sainte-Rose. Merci. Oui, ça. On a compris. Très bien. Merci en tout cas à vous, Henri Yacou. Vous interveniez là, non pas en tant que candidat, mais en tant qu'ancien directeur général de la CGSS. Merci en tout cas d'être intervenu. Messieurs, on va conclure, Henri Ancelin. Oui, mais je voudrais quand même, parce que j'ai parlé de l'eau, c'était pas pour aller de l'eau, j'ai pas dit ce que je voulais dire. J'ai pris à aborder l'eau. C'était pour dire une chose. Je suis convaincu que le problème de l'eau est lié à la façon dont la Guadeloupe fonctionne. C'est ça que je voulais dire, parce que le problème a été soulevé. Tout le monde savait qu'il y avait un problème de l'eau. On n'était pas à l'aise avec l'eau. Il y avait des fuites, il y avait tout ce qu'on veut. Ça fait 20 ans qu'on le sait. Mais en réalité, notre structure fait que personne n'a l'exécutif dans ce pays. Il n'y a pas d'exécutif réel. Il y a un exécutif juridique, il y a un transfert de compétences. Oui, mais c'est dans la réalité de l'exercice de cette compétence qu'il y a un problème. Mais il faut se rappeler comment c'était géré l'eau avant. Alors, il y avait tout un tas de choses dans l'histoire de l'eau. C'était très compliqué parce que finalement, il y avait à tout en amont, il y avait la générale des eaux qui gérait l'eau. Oui. Mais par contre, qui avait des comptes à rendre à des élus. Et en même temps, l'eau était déjà décentralisée. Oui. Donc, mais en définitive, quand je regarde, et ça, à l'époque, j'ai eu souvent à être confronté à des problèmes de ce genre quand on parlait de logements sociaux, par exemple. L'État disait, bon, il faut faire 2000 logements. Tout le monde était d'accord, le préfet dit OK. Mais après, il faut la garantie. Et quand je me retrouvais avec la région et le département, on tournait en rond pendant longtemps. Donc, on avait toujours des raisons pour ne pas avancer. J'ai remarqué que tout le temps, c'est la raison pour laquelle, pour moi, 2003, j'avais dit, bon, on vient d'enterrer le fait qu'on ne veut pas avancer. Parce que je constatais qu'on bloquait tout le temps, toujours sous des problèmes comme ça. C'est pas la région, c'est pas le département. Chaque fois, on se renvoie la balle et on tourne en rond et on n'avançait pas sur les décisions. Et donc, l'eau, ça a été ça. On a laissé passer, tout le monde sait qu'il y avait des fuites, on n'a jamais réparé, jusqu'à ce que ça devienne aujourd'hui une situation lourdement difficile à réparer.
parce que ça coûte trop cher aujourd'hui, enfin très cher aujourd'hui, alors que c'était assez facile il y a 20 ans. Avec l'assainissement, près de 800 millions. Et voilà. Alors, donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis ça pourquoi ? Parce qu'il faut toujours se rappeler du passé. Maintenant encore, on est dans une crise exceptionnelle. C'est peut-être le moment, justement, de mettre les compétences en place, mais de savoir ce qu'il faut et réellement pouvoir faire fonctionner ce pays-là dans des conditions normales, en 2020. Là, il faut décider, une bonne fois pour toutes, comment on doit faire fonctionner efficacement ce pays-là en 2020. Ouais. Georges Calixte, aurons-nous le choix ? Alors, non, d'autant plus que je reviens à propos du choix concernant l'intervention tout à fait pertinente d'Henri Yacou. Et il a commencé son intervention en disant « mais il nous faut accéder à la responsabilité politique ». Ça veut dire quoi ? Regardez comment la santé est gérée. Pour l'hospitalisation et les structures de santé, c'est l'ARS. Mais en amont, ce sont les communes qui ont un rôle de prévention en matière de salubrité. Au niveau des effets collatéraux, ce sont les communes qui ont la responsabilité des écoles, la région, les lycées, le département. Ça veut donc dire que la santé est gérée pour ce qui concerne la prise en charge du corps humain par une institution, mais qui, dans les conditions de cette prise en charge, est fortement dépendant, en tout cas pour les effets collatéraux, de ce qu'on appelle les collectivités territoriales. Donc, premier problème, on parle de pouvoir normatif, mais cette crise doit pouvoir nous dire que nous devons avoir un pouvoir normatif plus puissant au niveau de la santé pour qu'il y ait une certaine lisibilité. On ne peut pas continuer, même si d'ailleurs moi je suis très prudent par rapport aux chiffres de l'ARS, puisque le conseil scientifique lui estime qu'on a un mois de retard. Alors tant mieux si ces chiffres sont bons, hein. Je ne peux pas demander autrement. Maintenant, pour l'instant, personne ne m'empêche d'être prudent, puisque le conseil scientifique lui estime qu'on aura le pic 4 semaines. Voilà, premier élément. Deuxième élément de la responsabilité politique, la législation du travail. Henri Yacou, qui est bien placé, puisqu'il a été au cœur de cette affaire-là, est bien placé pour dire, mais attention, la législation du travail telle qu'elle s'applique à l'heure actuelle à Outre-mer ne correspond pas à la réalité de l'Outre-mer. Et il a même évoqué un problème en disant, mais c'est vrai que ce qu'on applique à l'Outre-mer doit être également appliqué au niveau de l'Hexagone. Alors même s'il y a quelques nuances, puisque le Conseil constitutionnel reconnaît que dans des situations différentes, des règles différentes peuvent s'appliquer. Cependant, on a toujours refusé le pouvoir normatif local. Le résultat, on est dans une situation d'assimilation législative, et cette assimilation fait que, ne correspondant pas à la réalité locale, on est dans une situation d'antinomie permanente entre le droit national et l'identité. Dernière chose, il a cité 4 lois depuis la LOM. Juste en passant par la LODEOM, beaucoup plus récemment, la loi sur l'égalité réelle, qui est une loi dans sa conception qu'on peut qualifier de très bonne loi sur le plan des grands objectifs. Mais le Conseil d'État n'a pas manqué de rappeler que si cette loi a des objectifs tout à fait louables et sur le plan humaniste, hein, sur le plan de l'engagement concret, sur le plan financier, les mesures qui sont préconisées sont des axes sans qu'il n'y ait eu une évaluation précise de ces différentes mesures. Or, si toutes ces lois n'ont pas marché, comment peut-on continuer à croire qu'il ne faut pas penser à l'évolution de nos institutions, alors que nous sommes dans une situation concrète où, aussi bien par rapport aux collectivités que par rapport aux différentes lois, il y a ce décalage. Et on aurait pu parler longuement de la défiscalisation, puisque je lisais le rapport du député de la Réunion, Philippe Gomes, sur les failles de la défiscalisation. Mais la défiscalisation n'arrive pas à remplir la moitié de ce qu'elle devrait remplir, parce qu'il y a des anomalies qui sont en tout cas difficilement gérables. Donc là encore, on revient par rapport à cette crise autour de la notion de responsabilité locale. Le système législatif donne des failles, le système réglementaire donne des failles, il y a également au préalable une peur de la responsabilité politique. Moi, à mon avis, la solution qui doit pouvoir s'imposer après le COVID-19, c'est que nos élus doivent maintenant avoir la culture de l'évaluation.
trop de schémas stratégiques. La région en a 12, le département en a 4. Il y a un schéma régional de développement économique, de l'internationalisation et de l'innovation. Mais ce schéma a été construit sans tenir compte des échecs préalables. Résultat, ben écoutez, normalement, ça aurait dû être prévu en cas d'urgence cyclonique ou autre. On devrait prévoir déjà des stratégies d'aide déjà ficelées. Malheureusement, ça n'a pas été prévu. Et c'est la région qui, au bon vouloir de sa dynamique majoritaire, va décider de manière ponctuelle telle aide ou telle aide. Mais là, écoutez, les entreprises ne sont pas là pour demander l'aumône. Les entreprises sont là pour avoir une lisibilité en disant, voilà, en cas de situation, moi, je pourrais bénéficier de tel avantage, de tel autre avantage, si bien que moi, quand ma situation est correcte, de pouvoir me mettre à jour de manière à ce qu'en cas de coup dur, je sois en mesure de pouvoir puiser. Mais pour l'instant, tant qu'on va continuer à aider un peu ponctuellement à droite et à gauche, ben chacun restera dans une situation semi-informelle et cette informalité va amener à des logiques de politique pour les politiciennes. Mm-hmm. Et ce n'est pas pour rien qu'Henri Yacot a conclu. Et ce n'est pas pour rien qu'Henri Yacot a conclu en disant qu'il ne faut pas qu'il y ait de récupération politique, même si on a compris que vous l'avez dit, que ça avait une arrière-pensée plus localisée. Mais ça a été dit avec élégance. Avec élégance, merci. Tout à fait. Merci en tout cas à vous, Georges Calixte, d'être venu sur ce plateau. Merci de même à Harry Ancelade pour sa brillante intervention. Vos brillantes interventions, messieurs. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était votre grande édition quotidienne. On se retrouve demain. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez chez vous.